connais pas. On part sur quoi du coup ce soir, messieurs dames? Bah t'as qu'à regarder l'écran. Fait names. Quoi? Non, non, regarde pas l'écran, je suis bête, oui, non, code names, regarde pas l'écran. Ah, on part sur code names. On part sur code names? Oh là là. Oula. J'ai pas mes post-it. Mais je crois mes post-it. Mais je croyais qu'il fallait être 6 maximum, non? Non, ça fonctionne à 8. Okay. Where are my post-it? C'est plus confortable à 6 en fait, parce qu'après faire deux équipes de 4, ça peut être compliqué. Oui, mais est-ce qu'on peut décemment dire que l'équipe dans laquelle Monsieur Green est compte perd un joueur en fait? Ben c'est bon, je joue pas contre une équipe moi non plus. Non, oh. On compte en plagues ici, d'accord? Voilà. Pour le code name, c'est en plagues. Où est-il d'ailleurs? Pourquoi il est jamais là quand on a besoin de lui? Eh ben, parce qu'il travaille peut-être, je suppose. Peut-être. C'est une très bonne raison. Tu nous traites de chômeurs là? T'as tout à fait raison. On en reparlera dans une vidéo qui sort dans pas longtemps en Australix. Oh là, j'ai peur. Mais non. Un Imra sauvage apparaît. On n'est pas obligé, hein. Bah si. Bonsoir Imra. Vous avez le lien dans le canal écrit Mardi va sound. Oh yeah. C'est incroyable, hein. Bienvenue sur Mardi va sound. Oula, oulala. Le générique, incroyable. Mon PC décède déjà et ça a pas commencé. Je prépare mon S en anglais. Carnet. Du coup, Nostra, pour répondre à ton interrogation de il y a à peu près 2 minutes, le sketch des inconnus, c'est les pétasses, précisément. Ah, c'était ni les poufias ni les connasses. Non, mais moi, je suis tout le temps à côté de la plaque, j'en ai marre. On était quand même dans le jargon lexical. Champ lexical. Oui, ne me reprends pas sur des broutilles. Mais Poufias, c'était à cause de Dame Béatrice, la Poufias. Ça me hante, ce personnage. Alors, est-ce que moi ou le jeu est en anglais? Non, non, il arrive en français. Moi, je vais en français. Du coup, toi. Ce sketch ne passerait plus en 2021. Tout à fait, Banque Boulier, ça ne passerait plus en 2021, clairement. Messieurs, dames, bonsoir. 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 Pour ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, une agréable nuit dernière. Voilà. On est sur Codenames. Codenames, c'est un jeu de coopération, de communication. L'idée, c'est d'être le plus efficace possible. Mes chers camarades de jeu, vous avez le lien pour rejoindre dans le canal écrit. Moi, je suis radi. Je suis radi, moi. T'as pas des équipes aléatoires? Vas-y, shuffle-moi tout là-dedans. Mais je vous vois pas dedans. Bah si, on est là. Mais en fait, c'est qu'on est pas dans des... Ah, si, c'est bon, je vois. Eh bon. Oui. Oh non, quelqu'un. Voilà. Monsieur Vert. Ah non, j'ai peur. C'est le où suis-je? Ah, cool. Je suis avec Monsieur Vert et avec Jake. On va gagner. Bonne nuit, Nathan. Ouais, enfin, je sais pas. Mais non, pas bonne nuit, oui. Il a dit qu'il voulait saboter mes parties. Si je suis pas espion, on va gagner après. Je commence. Je crains les pires. Allez. Qui va contre Rando? Bah, Nostralix, à toi l'honneur, tiens. J'ai dit que je voulais pas. Bien, okay, Nostralix. Mesure-toi, bon. Moi. Je vais encore pleurer pendant toute la game, c'est bon. Rassure-toi, on n'est pas sur Stopots. Oh, mais c'est vrai, je suis de toute façon, n'importe quel jeu, il n'y en a pas un où ça va. Tout le monde est prêt? Prête? Oui! Ne vous battez pas. Oui. Oui, monsieur. Oui. Oh. Attends. Oh là. Oh là, c'est quoi ce tirage? Il y a la culture geek avec, là. Il y a la culture geek avec. Ok. Ouais, mais normalement, ça, c'est juste 20 mots en plus dans le pool de je sais pas combien. Normalement, ouais, parmi les 400 mots, il est censé y en avoir. Bah écoute, Edith Piaf est une icône geek, hein, qu'est-ce que je te dis? Exactement. C'est elle qui a inventé Twitter, bien sûr. Tout comme Marie Curie. Bien entendu. Exactement. C'est... Le fameux poulet Marie Curie. Poulet au curry. Alors attendez, nous avons Blé, Nuit, Bébé, Sphinx, Chuck Norris, Zéro, Lara Croft, Zéro, Bon, Chevalier, Hôpital, Pic, Yoda, Edith Piaf, Chanteur, Poire, Serveur, Narnia, Méditerranée, Sud, Lady Gaga, Diablo, Caro, Marie Curie, Jack Sparrow, Chant, mais c'est quoi ce tirage? C'est horrible. Ah, c'est toi qui as tiré les cartes. Hein.
On va pas y arriver. Mais si, mais si. Non mais dis-toi que c'est probablement pire en face. Attends. Enfin, j'en sais rien. En fait, c'est toi qui vas le savoir. Regarde deux secondes. On est dans... Je dirais qu'on est à peu près dans la même mialda. Non, en vrai, ça va. Pour toi, tu genre, là, j'en ai en deux ouais, fois. J'en ai... Ouais, mais je me dis, il y a des trucs avec d'autres mots. J'ai peur. Alors que tu vois, moi, j'en ai un seul en deux de mon côté et c'est tout. Et après, c'est dur. Très dur. Je me dis que... Bon, ça, déjà, c'est bon. On va avoir un indice en moins de 25 minutes. Peut-être. Oula, attendez, ne vous précipitez pas. Non, non, mais les espions font monter le suspense. C'est juste ça. Là, dans ma tête, j'ai la musique de Koh-Lanta qui tourne pendant les épreuves. Ah oui, Alors c'est marrant parce que quand on connaît pas Koh-Lanta, on pourrait penser que c'est une, genre une musique de Shonen à la con façon Dragon Ball. Ouais. Mais J'ai vu un streamer il y a pas longtemps qui, quand il met les musiques de suspense ou les trucs comme ça, il met la musique du grand concours. Elle est trop bien. La musique du grand concours, elle est géniale. Génial. Le grand concours des animateurs ou tout. Ouais. La musique, elle est... Oui. Ah, le truc avec Sin qui raconte des conneries. Enfin, ah oui, ça quand il a envie. Meilleur extrait du grand concours des humoristes. De la merde. Ginette Chombier. Bouffe. Merci. Alors attends. Ah, du manger. Alors il y a bébé, non. Blé, ouais. Alors de la bouffe. Ah. Ouais, je suis d'accord avec poire aussi. Serveur. En 3. Hein. Chant. Pichtre. Dis non. Bon, poire, je pense que ça va être c'est unanime, hein. Quand oui, même. Ouais, je pense que poire, bah, c'est... On l'a sélectionné tous les trois, je pense que si on clique pas dessus... Ouais, voilà. C'est qu'il se passe un truc. Ça va, Ando? Oui, ça va. Est-ce que tu vois ce qui se passe comme moi? Oh, bah oui. Ah, c'est la noire, c'est ça? Mais taisez-vous, les espions. Ah, mais on ne dira rien. Vous me faites chier, mais on dira rien. Ah bah... Je clique sur poire. Oui, vas-y. Pourquoi vous ne dites pas bébé pour la bouffe? C'est bon. Mais j'ai fait la blague juste avant. Non, 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 on n'ira pas sur ce terrain. Trop glissant. Est-ce qu'on... J'ai pas mes chaussures. j'ai pas les bonnes chaussures, trop glissant. Si tu mets un peu de talc, c'est vrai que c'est glissant. Allez, poire. Alors, du coup, poire. Ok. Blé, ça semble un peu obvious. Oui, blé. Ça paraît pas mal, oui. Maintenant, j'ai envie de dire champ plus que serveur parce que tu peux faire l'association avec le blé, notamment. Ouais, 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 champ de blé, ouais. Ou champ, pour l'abréviation du champagne, mais ça m'étonnerait quand même. Ou du champignon. C'est plus de la boisson que de la bouffe. Ouais, ouais, champignon, hein. Moi, j'avais mis bon, histoire, le bon, je sais pas. Ouais, par exemple, dans le bon, la brute et le truand, il y en a aucun des trois qui se bouffe. Ne marche pas sur mes déductions comme ça. Par contre, Marie Curie, c'est enfin, je vois où tu vas en venir par rapport au Curie, mais c'est parce que t'as fait le jeu de mots tout à l'heure. C'est voilà, un peu tiré par les cheveux, ouais. Ouais. Honnêtement, des deux que j'ai choisi, je mettrais plus champ que serveur. Alors, avant de valider, est-ce que serveur pourrait être associé à autre chose par la suite? Ben, le truc, c'est qu'on n'en sait rien. Pour autant qu'on sache, c'est peut-être une carte bleue. Ah ouais, ouais, gauchon. Ah, parce que serveur, on peut parler de serveur informatique. On peut absolument rien déduire du premier tour. Non. Non. Plus champ, ouais. Allez, let's go. Allez. Ah, la catastrophe. Alors, tu joues en français. Eh ouais, c'est ouais. Dommage, hein. Ah là là. Je comprends pas ce que j'ai mal fait, vraiment. Bah écoute, dans le peloton. Leur raisonnement tenait de bouche, donc... Oui, c'est vrai, mais je... suis triste. Alors, je vérifie juste un truc... Tout. Et bah très bien, on va partir là-dessus. Juste un truc, qui est Yoda?
Non, quand même. Non, non, pitié. Marseille. Lara Croft, évidemment. Franchement, là, c'est hyper simple. Je n'irai pas jusqu'à dire hyper simple. Pourquoi hôpital ? Parce que Raoul. J'étais en train de poser une question en fait. Ah, parce que le professeur Raoul. Mais... Méditerranée. A priori, oui. Moi, Marseille, j'aurais mis 0 par exemple. Non. Non. Après, tu vois, par exemple, à écouter Jake, bon, bah, tu mets pas sud pour Marseille parce que Marseille, bah, c'est ni au nord ni au sud. A priori, c'est à la bonne latitude. Je suis pas de Marseille. Hein. Marseille, c'est est pour lui. C'est sud-est. Oui, Marseille avec sa frontière avec l'Allemagne, évidemment. Ah, voilà, fallait prendre des décisions. Et bah, du coup, fini de deviner, non ? Vous pouvez tenter, vous pouvez un tenter truc, si hein. Vous voulez, mais bon, c'est risqué. Pas tenter si tôt. Vous pouvez tenter hôpital. Tenter, tenter. Allez, le beau jeu, là. Ah bon. Pas de beau jeu. Merci, Ralga. ouais, c'est bien tout ça. Comment je vais faire? T'en as deux qui sont faciles. Ouais, mais non. Pourquoi ? Oui, oui et non. Bah si. Je pense savoir desquels tu parles, mais genre j'ai peur avec un de tes trucs à toi. En quoi ? Hein ? Bah on veut pas parler des mêmes, je pense. Bah peut-être qu'on parle pas des mêmes. Bon, gagnons du temps, dites-nous desquels vous parlez. Ah ben non. Alors. Du coup. Ah, ils ont rajouté un timer. Non. Comment ça? Si, on peut rajouter un timer. Ah, on va s'amuser alors. Non, 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 non. Ça peut être pas mal un timer. Non. Ça peut être fun. Les fruits de l'autre source du fun. On va tenter ça, mais. Que ça va encore salut Cotraf. Mais c'est un timer pour les espions ou pour les agents? Alors, ouais, set timer, choose timer variant and its length. When the timer runs out, nothing happens. It is up to you what to do then. Select timer, no timer, manuel, automatic for save, automatic for... Désolé pour mon accent nul, mais là, j'ai du mal. Ok, very good, no problem, hein. We understood. Hein. Aventurier? Y a pas Bob Moran. J'y ai pensé. Y a pas un machine non plus. I think I want to cry. Okay. Que c'était que en deux, hein, donc c'est vraiment les plus évidents possibles. Faire... Ouais. Je vais faire comment? Parce que si on... Ouais, non, les plus évidents possibles, c'est ces deux-là. Gaga, c'est un peu une aventurière, non? Qui ça? Gaga. Bah... Elle a fait des séries, enfin elle a fait au moins une série. Ouais, enfin, tu vois, qui t'a choisi entre elle et Jack Sparrow? Ah oui, non, Jack Sparrow. Voilà. Jack Sparrow... Déjà, après, c'est aventurier et pas aventurière. Oui, mais tu vois, s'ils sont deux, le problème avec le français, c'est que... Voilà. Ouais. Il n'y a pas de S. Il faudra un S, oui. Ça pinaille. Ou alors... Alors, aventurier en deux sans S, je vous laisse deviner pourquoi. Donc, votre raisonnement... La prochaine fois, j'écris tout en écriture inclusive ou comment ça Merci de mettre des points médians. Vous me cassez les... Hein. Au vert. Voilà. Bon, déjà. Bon, parle. Comment ça va, ensuite, honnêtement, Kotraf, dans le chat? Honnêtement, t'as pas dû beaucoup dormir, Kotraf. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire office d'aventurier, quoi? On se jette à l'eau. Allez, go. Sparrow, c'est pas trop. Il y a des aventuriers, mais. Ouais, mais bon, si tu pars par ça, dans ce sens-là, les enfants dans Narnia, c'est un peu des aventuriers aussi. T'sais. Ouais, mais dans ce cas, ouais. Tu te nourris, c'est un aventurier des temps modernes. Des tournées,
Et puis les bébés, c'est les aventuriers parce que chaque jour ils apprennent des nouvelles choses quoi. Nostralix, chute, Tespion. C'est le sphinx. Non mais je... Allez. On n'a pas le temps de réfléchir. Pour tout. Bon, et du coup, est-ce qu'on kiffe serveur pour le bouffe? Alors attends, nuit, bébé, sphinx, Maurice, hôpital, chevalier, le bouffe, bon, c'est pas pareil. Hein. Pic, Yoda, chanteur, Gaga, Marie Curie, Narnia, Diablo. On peut tenter, ouais. On peut tenter, ouais. Ouais, ouais. Ok. Par rapport au reste. J'allais dire le pif, j'ai tendance à attendre les dernières manches hein, pour piffer, mais. Bah, vu ce qui reste là par rapport à Miam, enfin la bouffe d'avant. Ouais. Franchement, ouais, tant pis. Ou alors c'est bébé, mais. Non, non, non. Eh ben, let's go. C'est dommage! Je pense que la vie. Mais encore merci! Devient une solution finalement à un moment donné. C'est un soutien appréciable. Ah non, en fait, vu que Plax est pas là, c'est Nostra qui le remplace, c'est ça? Quoi? Et c'est qui depuis tout à l'heure qui fait que des conneries et des choix de nourrie? Ok. Bah. C'est moi. Tu noteras ce qu'a dit Endo, hein? Notre raisonnement se tient. Oui, vous avez aucune logique. Encore une fois, le raisonnement se tient. Ouais, non. Mais ils vont pas au plus simple aussi. Je serais tombé dans le piège, là, moi aussi. Ouais, pour le coup, la française Edith Piaf, Marie Curie, même si Marie Curie est polonaise. Elle est polonaise, ouais. Ouais, mais bon. Par racisme, elle a un nom francophone de carrière. Je l'ai jamais là. Oui, parce que Marie a un français. Son nom polonais, il est légèrement plus. Bah, il est légèrement polonais tordu, en fait. Avec coup de W, de Y et de K. avec des consonnes qui n'existent même pas. Il n'y a pas une personne qui s'élève. Des enchaînements de 3 à 4 consonnes en plus. Slodowska. Oula, chose oui. Du jour. Ouais, c'est possible. Ouais. On n'a pas le temps. Et puis, bah, on piffe rien du tout. De toute façon, les rouges vont nous donner des tuiles donc. Laissez les faire, c'est bien. Non, ça va. Non, mais ça, je le sens arriver, mais de loin. Hein. Ouais. Telle une buse. On se souvient de ce que j'ai dit au début. Je suis avec Mister Green et Jake, c'est bon, on gagne. Oui, je t'ai dit, n'oublie pas qu'il y a dans mon... Je suis dans l'équipe. C'est un plus. Caro. Je réponds plus rien. T'es pas plagues. Alors, belote. J'arrête de mettre des trucs. Bah, a priori, Caro est pique. Peut-être. Oh, ça peut se tenir, ouais. Après, à la belote, est-ce qu'il n'y a pas une tête en plus avec le valet? Genre chevalier ou cavalier? De mémoire, à la belote, tu joues avec un jeu de 54 cartes, donc... Je sais pas, je connais pas la belote, c'est pour ça que je demande. Ça se joue avec un autre jeu de 32 cartes. Oui, oui c'est pareil, enfin, c'est un jeu de 52-54 ou je sais plus, t'enlèves des machins. T'as pas le 2, t'as pas les 3, t'as pas les 4, t'as pas les 5, t'as pas les 6. Oh là là, mais quel jeu de dégénéré. Quand vous aurez fini de faire toutes les règles des jeux des Pays de Galles, vous pourrez jouer. Non mais c'est parce que eux ils jouent à l'Aquitaine. Ah c'est pas un champion de belote? Qui ça? Chuck Norris. Non, je ne pense pas. Le pire c'est qu'il y a eu un blanc, je pense qu'il y a des gens qui ont réfléchi à cette phrase. J'avais pas entendu le nom que t'avais dit, c'est pour ça. Si ça se trouve, il belote. En vrai, tes deux derniers ont deux. En effet, Younis. Ouais, juste, c'est chaud. Totaro, je me suis trompé. Ah, bien joué. Ouais, c'est sûr. Je pourrais pas les. Et du coup, Mister Green ne se prononce pas. Moi, j'y peux rien là. Caro, oui, enfin, Caro, on peut le valider. Caro, oui. Parce que les deux dernières fois que j'ai montré des mots, ça s'est mal passé. Allez, je clique sur Caro. Ok. Ok. Donc belote, ça aurait pu être poker, ça peut être autre chose. Et là, pourquoi pas carte, mais bon. Bah carte, ça aurait pu être d'une manière plus générale, ça aurait pu être ouais, une carte de navigation. Tu peux penser à une carte du monde. Carte. En tout cas. Ouais, voilà, ouais. Bon. Valide le pic. Bah attends, Lady Gaga, non. Chanteur, non. Hôpital, non. Norris, Sphinx, bon. Bébé, nuit, non. Chevalier, apparemment non. Zéro. Y a pas de carte de zéro. Yoda, Narnia, non. Diablo, non. Bah, du coup, pique. Rétrospectivement, un codenames en allemand, en fait, ça doit être beaucoup bon. Plus simple. J'ai trouvé Nostra pour les deux derniers.
J'ose pas imaginer. Mais il faut des cartes beaucoup plus grandes. C'est fini pour nous. Mon écran 21e pour jouer au connaître. À part si une tente l'autre avec la bouffe encore, mais. Ouais, je sais pas. Tout espoir. Je me demandais si c'était. Qu'est-ce qu'on dit à la velotte quand on a marqué. Ah, qu'est-ce... parce que j'hésitais peut-être avec 0, mais non, je crois pas que ce soit ça. Non, c'est 0. À la velotte quand pas. On fait 0. Bon, bah pique alors, hein, je vois rien d'autre. Bonne soirée, Munich, merci beaucoup. Ouais. C'est quoi ce... c'est quel jeu de cartes, enfin dans un certain plusieurs qui demandent, qui te font perdre des points en fait quand tu fais des plis. Et du coup l'objectif, ou quand tu rates des plis, je sais plus, et l'objectif c'est de faire le moins de points possible. Le Uno. Il y a plein. Il y a pas des jeux comme ça. Bah il y a la... c'est la dame de pique en fait. Oui, la dame de pique, oui. Pour répondre à l'interrogation de Jack, le il y a... c'est le tarot où il y a une carte en plus entre le valet et la dame qui est le cavalier. Cavalier. Yep. La réponse était sur le chat tout à l'heure. Ah. Est-ce que c'est une série avec des chevaux et des armures? Bon, il nous reste un truc avec du manger là. Et ouais. T'imagines Olivier Mine dans une série fantastique avec des chevaux et des armures? Oh my god! Oh yes! Donc dans la bouffe. Et c'est un templier. Et là c'est bon. C'est parfait. Oh, Olivier Mine dans l'adaptation d'Assassin's Creed. Oh là là. Petit Yoda 45 minutes au four. Non, un bébé en bouffe, non, ça paraît trop, en fait, vraiment trop. Par extension, la nourriture. Enfin, je sais pas, les aliments pour bébé, mais je parlerais plus sur bon que sur bébé. Vraiment, en bouffe, là, parmi tout ce qui reste. Y a rien qui me parle. Hein. C'est... Bah, pas trop, à part bon, mais vraiment de loin, quoi. Ou sinon, tant pis, on en finit là. Hein, c'est... Bah, ils ont les deux derniers de toute façon. Ando a dit qu'il allait donner l'indice qu'il fallait. Donc... C'est pour c'est ça. C'est qui se trompe. Hein. Non, certes, mais qui tente rien n'a rien. On pive bon alors? Ouais, on peut le piffer. Ouais. Ouh. Ouh. Après tout ce temps. Mais était-ce le bon mot? N'était-ce pas un hasard? Ah, ça, on le saura au prochain épisode. Après la pub. Ah, dangereux ça. Ah oui. Oui. Attends, je... Non, pas Lady Gaga. Bah si. Elle a fait du cinéma. Ouais, mais c'est pas un personnage dont je me souviens pour le cinéma. Elle a fait des grands rôles aussi. Yoda Narnia. Par contre, Chuck Norris, il a fait des films. Ouais, mais il est plus connu pour Walker, hein. Non. Excuse-moi, Little John, mais Braddock. Je mets les pieds où je veux. Non, mais en Chuck Norris qui a fait 2-3 films et Yoda et Narnia qui sont connus mondialement. 2-3. Et les chevaliers, il y a beaucoup. Chuck Norris, il en a fait une liste de films. Ouais, peut-être, mais Yoda et Narnia sont plus intuitifs. Des chevaux et des armures. Ah oui, des chevaux et des armures. Bien entendu. Bah oui, Chuck Norris. En fait, Nostra, tu l'as fait jouer à Age of Empires et joue tout le temps franc pour sortir des paladins à Tire-Larigot. Of course. That's my life. Deus Vult, toute ma vie. Deus Vult. Ah bah si, Deus Vult. Alors, par contre, là, je vois pas comment on choisit parmi les trois, parce que les trois me semblent équivalents. Narnia, là-bas, c'est quand même une série de livres, donc est-ce qu'on éliminerait pas Narnia? Bah. C'est qui a écrit Narnia? C'est pas Lewis. C'est Lewis qui a écrit Narnia. Eh bah, tu vois, j'ai fait Yoda, parce qu'il fallait prendre une décision, et c'était le seul qui était pas bon, quoi. Oh! Oh, Astralix. Honnêtement, on risque de perdre. Vraiment, le gars là, on risque de perdre. Et sinon, oui, je c'est. Rassemble mes esprits. Ok. Lewis qui a écrit Narnia, effectivement. Ok. Elle va le tenter, c'est sûr, et ça peut passer. Bah, je suis pas sûr du mot à mettre, mais écoute. Bah, moi, je l'ai si tu veux, mais bon. Nous croyons en toi. Oui. Nous croyons en toi. Nous croyons Bébaton. Vous croyez Bébaton. Par exemple, ce sketch-là, il pourrait plus passer en 2021. Trop peur que vous partiez sur je sais pas quoi. Je suis plus sûr de mes trucs maintenant. Là, tu vois, on a John Travolta, il est plus. Oh, bon, bah, bébé.
Ok. Là, il y a bébé. Non. Ok. Bon, et hôpital. Bébé. On le valide maintenant. Bébé, oui. Ah. Oui, oui, bébé, oui. Alors, bébé, on peut le valider. Par contre, hôpital, j'étais plutôt parti pour la nuit. A priori, c'est plutôt là qu'on couche les bébés, le verso, pour la nuit, je sais pas. Ouais. Ouais, il y a peut-être la nuit, ouais, t'as raison. T'as peut-être raison. Je pense, ouais, peut-être, je partirai peut-être plus sur la nuit, ouais. Moi, je dis plus rien. C'est à partir de ce moment-là que je fais des trucs et il se passe des choses affreuses. Donc, je ne dis plus rien. Vous êtes à deux. N'empêche que tu rigoles, mais tu remarqueras que depuis que tu ne dis plus rien, c'est un sans faute. Donc, effectivement. Oui. Oui. Monsieur voilà. Maire, on a enfin trouvé un jeu où tu es peut-être pas bon. Eh, hey, c'est juste que j'ai pas le même esprit de déduction que toi. Voilà. Et tu noteras que dans notre équipe, sur les deux premiers rounds, personne n'avait le même esprit de déduction que toi. Exactement. Non, mais de toute façon, je pense que. Il y a un gros problème quelque part. Allez, je clique. Donc en fait, finalement, il y a toujours le même dénominateur. Punaise. C'est bon. GG. Yes. Hein. Du coup, Chuck Norris et Narnia, c'est parti. Ouais, ouais. Mais le Yoda, enfin, Ando, il y avait Yoda juste à côté de Narnia. Du coup, le troisième de la bouffe, était-ce bon ou bébé? Le mystère reste entier. C'était bon, je veux dire. C'était bon. C'était bon. Je sais pas, la bouffe, c'est bon, pour moi, c'est logique. Pas forcément, ça dépend. Chuck Norris, il a fait beaucoup de films. Beaucoup. Oui, mais, enfin, excuse-moi, mais je prends l'avocat du diable, mais entre Narnia et Yoda... Ouais, ah bah je prends Narnia. C'était dangereux. Bah ouais, mais lui, t'as Yoda à côté. On est beaucoup quoi. À prendre Yoda devant Narnia en termes de film. Ouais, je prends Yoda aussi. En tout cas, Ando, bravo, t'as fait un très beau début de game. Bah ouais, mais magnifique. Je suis déçu. On donne fais comme moi, bleu, et puis... tu t'en prends. Quoi, tu changes les équipes? Bah, voilà. On était bien, là. Bah, faut les garder les mêmes. On était bien, on était avec Nostra quand même. Mais non, mais moi je vais très bien, je vous aime bien. Donc, vous m'aimez pas, c'est ça. On fait quoi? On garde les mêmes équipes et on change l'espion, c'est tout ou On change les espions, après les équipes, on s'en fiche. Il a tout changé. Ah oui, en fait, vous voulez juste pas être avec moi, quoi. C'est pas vrai. Attention. On peut faire gagner, en fait. Faire une équipe de au dernier style, round, on a fait quoi? On a gagné. Non, mais oh. Alors. Et cette mauvaise foi. Mais attendez, c'est quoi ces tirages, hein? C'est quoi ces tirages? J'ai mis normal, hein, j'ai pas mis mettez-en beaucoup hein, des cartes spéciales. Il y a beaucoup de personnages là quand même. Hein. Nous avons, bah oui, déjà t'as Céline Dion. Alors nous avons Gollum, Céline spéciale, Dion. Je crois qu'il faut mettre le minimum pour pense, pas être ouais, je pense. Beethoven, Cercle, Alpe, Angelina Jolie. Merci pour le raid de Imorar. Il n'y a pas merci pour leur aide dans les cartes. Non. Alpe, Angelina Jolie, Pompier, Léonard de Vinci, Bombe, Liberté, Chapeau, Mickey, Salade, Japon, Anniversaire, Que Point, Chance, Princesse, Leia, Homer Simpson, Décembre, Cléopâtre, Patron, Note. Bah ouais, beaucoup de choses différentes là. Ouais, en fait, je veux plus être espion. Okay. Je viens de voir les cartes et je veux plus être espion. Ah, moi non plus. Ah, ouais. Fais-moi le au secours. Allez, à l'aide. C'est ton destin. Bon, ça va, c'est l'adversaire qui commence. Il y a Nostra dans l'équipe d'en face. Ouais, fais gaffe, j'ai gagné la dernière. Hein. Attention. Hein. Ne sois pas médisant. Hé hey. Tu peux le faire, les gars. We believe in you. Come on. Ah, je suis plus avec toi. Oh, fiche-toi. Do it, just. Alors tu ne peux pas le faire, Alga, du coup. Ouais. Tu vas échouer. De toute façon, voilà, ça change toutes les équipes. Tout ça, ils vont pas être avec moi parce que je porte la poisse. Oh. Oh. Ah bah, et déjà, il y a le banquet des pompiers. Non, ok. Alors, il y a l'anniversaire, je pense. On peut partir sur l'anniversaire, probablement. Les fêtes, c'est en décembre. Les fêtes de fin d'année. Surtout qu'il reste. Après... moi je pense que c'est plutôt pas mal, alors je regarde le reste vite fait, mais bah moi je partirai là-dessus, hein, voilà. A priori, moi, c'est les deux plus évidents. Déjà, enfin, anniversaire, on peut le mettre. Ouais. Allez.
puis décembre aussi, les fêtes de fin d'année en plus avec le S. Allons-y. Attends. Bah, en vrai, le reste. Repasser, non, je vois rien. Je vois rien d'autre. Après, il y a les fêtes avec les saints patrons, mais genre, c'est un peu tiré par les cheveux. Je sais. Décembre, c'est pas. Oui. Vrai. Tu vois. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Allez. Ouais. Let's go. C'est vert. Ok, allez. Bon, on fait pas de pif. Si tu fais un truc. C'est-à-dire que pour l'instant. Allez, on tente un truc. Non, non, on évite. On évite. On évite. Voilà. L'interface est moitié en français, moitié en anglais. Moi, je sais pas pourquoi. Pourtant, il est bien configuré en français, mais. Tant que les cartes sont en français. Oui. Alors, monsieur Vert, on galère ? En fait, là, j'hésite juste entre deux et je sais pas lequel je fais en premier. C'est surtout ça qui me fait galérer. Non, sinon, ça va, j'en ai. Pierre, réfléchis juste à comment ça va changer le plateau après, en fait. Voilà. Bien entendu, monsieur Green a toujours deux coups d'avance. Il réfléchit par avance. En vérité, quatre. Tu vois, là par exemple, j'ai tout le cheminement jusqu'à la fin de la partie et en fait, on a déjà gagné. Et il n'est pas encore à son plein potentiel. This non, is not even my final parce form. Qu'à son plein potentiel, il a déjà la partie d'après en avance. C'est-à-dire que je visualise déjà le plateau d'après. Exact. Je sais exactement quels sont les points qu'il faut prendre. Ouais, on décide, monsieur Vert. Monsieur Vert. Mr. Green, come on. Il ne daigne même plus nous répondre. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ah, une souris verte. Wow. Une souris. Alors attends, souris. Alors, justement. Ouais, Mickey. Ouais, Mickey, ouais. Ok, ensuite. Que de souris, mais. C'est-à-dire aussi que la chance te sourit. Pas avec un S, non? Bah si. La non, chance te sourit? Oui, non, avec un T, ouais. Oui. Et c'est toi qui as corrigé le texte? Oui. Et y a pas de mot, tu remarqueras. Good. Avec des amis comme ça. Je partirais quand même peut-être plus sur la queue, c'est vrai. Ouais, bah déjà Mickey quand même. Allez, Mickey. Je regarde ce qu'il y a d'autres Gollum, Alpes, Liberté, Homer Simpson. Joli. Chapeau. Non. Bah c'est parce que la souris verte, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud, donc après. Oh, attends, c'est une souris verte. Attends, qui courait dans l'herbe. Oui, ça. Ça s'appelle la... Je la montre à ces messieurs. Ça met un chapeau tout chaud. Ouais, mais il y a la queue. Il y a queue et chapeau dans la cantine. Il y a queue et chapeau. J'espère ne pas les avoir aidés. Ouais, non, j'irais queue quand même. Je dirais plus que quand même. Hein. Allez, plus que... va pour la queue. Celui qui veut valider. Voilà, très bien. C'est quand même assez... Est-ce qu'on tente un truc? Non, non. Apparemment, ce qu'il faut là. Vous êtes pas joueur. Bah non. Bah là, pour le coup, un petit non. Peu des fois, quand même. Ah, ça stoppe de la partie. Vas-y, Ralga. Vas-y, Ralga. Macron ? Ah non, pardon. Alors, explosion. Démission. Effectivement, le patron. Ouais, patron, ouais. Liberté. De
ils sont. Mais c'est pas moi de jouer. Ouais. Attends, je. Très peu convaincu, hein, mais. Ouais, mais. Je reste une quête dessus. C'est ce qui va le mieux, hein. Ouais. Pour le coup, hein. Peut-être, on va mettre l'option là-dessus. En fait, je vois rien qui va avec. Ouais. Par ça. Que la note, je vois. Non, je vois pas le rapport. Pour le reste, je vois pas trop le rapport. Ouais, pompier, pensée, Angelina. Bon, on peut valider patron peut-être déjà. Peut-être. Ouais. Ouais, celui-là, oui. Hop. Pour le reste. C'est compliqué. It is very compliqué. Yes, que liberté yes, qui va le reste, il n'y a pas d'histoire de démission. Absolutely, hein, absolutely. Écoutez, on va tenter liberté, même si j'avoue que je suis pas très motivée, mais je ne vois rien d'autre. Allez, allez. Oui. Yes. Alors, est-ce que c'était vraiment lié à l'indice? Alors, je sais pas. Peut-être. Bon, dans tous les cas, on a réglé un truc. Ça passe. N'allons pas plus loin. Montagne. Bah, Alpes. La montagne est belle. Bon, bah, les Alpes, déjà, hein. Je pense même qu'on peut valider tout de suite. Japon. Et aussi la montagne du destin avec Gollum. Oh, bordel, la montagne du destin avec Gollum. Même si effectivement il y a le mont Fuji, mais. Je pense que je partirais plus sur le mont Fuji avant la montagne du destin quand même. Est-ce qu'on peut déjà valider Alpes? Oui, oui, Alpes, oui, quand même. Ouais, ouais, oui, Alpes. Oui, bon, Alpes, c'est parti, ça c'est bon. Montagne, je regarde ce qu'il y a juste après quand même. Note, chance, Leia, point Cléopâtre, Homer Simpson, chapeau, salade, Japon, du coup peut-être. Hop, ah, la montagne, c'est un point culminant. Ouais, ah mais... Ouais, je sais pas. Non, non, je vais chercher la petite bête là. Bombe, cercle, cercle non. Beethoven, Léonard de Vinci, pompier, pensée, Céline Dion, Angelina Jolie, Gollum. Connaissant Mr. Green, il aurait pu partir sur du Gollum. Est-ce que c'était son portrait craché? Le Mr. Green est fourbe pas, dans ses indices. Pas très gentil ça. Non, plus Japon. Non, non. C'est le début de partie, plus Japon. Comme tu veux, tu laisses prendre la responsabilité. Ah. Ah bah oui, ah bah voilà, maintenant qu'on va se mouiller, y'a plus personne. Ah, tu parles. Et voilà. Raté. Ah là là. Bon bah c'est cool. Pas grave. Ouh, le point culminant. C'est terrible. C'est affreux. Comment? Mais il se moque. Pardon, on l'a juste fait 4 fois depuis hier, cette blague, hein, mais... Oui, c'est vrai. Ou, autrement dit, on l'a juste fait 4 fois depuis que tu as dormi. Depuis la dernière fois que tu as dormi. Alors, sachant que le stream dure peut-être 30 heures, il reste encore 2h30, mais j'étais levé avant les 30 heures, j'avais déjà une journée dans les pattes, hein, quand même. On prie pour toi. Comment, pardon, attends. C'est vraiment ce que tu voulais écrire? Tout à fait. Il n'y a pas de faute. Ah non, Nemes. Nemes. J'ai aucune idée de ce que tu as essayé de faire deviner et pourtant je vois les cartes. Ce sont des PNJ dans la zone de Bastion dans Shadow. Non, c'est pas ça. Non, mais Nemes, le lion de Nemes, ça existe, mais. Oui. Déjà, lion, ouais. Cléopâtre, lion, Nemes. Ouais, ça me parle pas du tout ce nom. Nemes, en gros, c'est le couvre-chef que les pharaons ils ont normalement, il me semble. Alors, je sais pas si tout le monde a la ref, et du coup, si Ralga a la ref, mais du coup, sinon, ça passe. Et du coup, parce que sinon, avec le lion de Nemes, je vois pas trop. Donc, voilà. Ah ouais. Moi, je mettrais ça. C'est un couvre-chef, finalement. Mais je suis pas sûre, je ne sais pas. Mettons que ce soit ça.
Vous pariez combien que Ralgaï a tapé sur Google? Alors, chapeau, Pharaon, ou chapeau, Cléopâtre. Pour voir s'il n'y a pas un rapport entre les deux. Je suis pas sûr que Ralgaï est allé jusqu'à taper sur Internet ça, quand même. Après, Ralgaï connaît beaucoup de choses. Oui, voilà. Peut-être qu'il voulait mettre juste des nems, et du coup, c'est salade. Allez, est-ce qu'on tenterait pas... Allez, j'y vais. J'y vais, je fonce. C'est la folie. C'est bien la coiffe du pharaon, le truc que tout le monde visualise. Ça s'appelle le Némès. Tu vois le masque de Tutankhamon là, le truc doré, voilà. Le truc genre avec des rayures dorées et noires que. Voilà. Le truc des Goa'uld. Voilà. Alors pas tous. Il y a. Et du coup, question subsidiaire, est-ce que tu l'as googlé? Non. D'accord. Non, parce que Ralgaï connaît des choses. Bah, évidemment qu'il connaît des choses, j'en doute pas. Puis, attendez, mais ça, quand même. Que tout le monde connaît. Est-ce que c'était pas au programme du collège lors de l'époque égyptienne antique, ça? Alors, tu parles du collège, donc il y a 15-20 ans pour la plupart d'entre nous. Ouais. C'est la date, hein. je sais que l'Égypte, je l'avais fait en 6ème. Mais alors, par contre, oui, le contenu. C'est en 6ème, l'Égypte antique, oui. Enfin, c'était, est-ce que ça l'est encore? Ouais, donc il n'y a pas encore 15 ans pour moi. Je me souviens avoir fait à l'époque... Et c'était donc l'année dernière pour Nostralix. Ouais. Mais j'ai pas 4 ans et demi non plus, en fait. Mais j'ai pas 4 ans et demi en... C'en est marrant. C'est intolérable. Hein. Cela dit, si à 4 ans et demi tu es au collège, c'est plutôt bon signe. Hein. C'est oui. Pas faux. Ah, mais j'ai toujours été surdoué. Sauf pendant les mardis à Sound. Ah bah écoute, on peut pas avoir toutes les qualités du monde. J'en ai déjà beaucoup. Alors, voilà. C'est pour ça. Je... Non mais sinon, ce serait Imba, faudrait te nerf. Non, les chemises, ça passe. J'avoue, j'ai dû me racheter une nouvelle chaussure récemment parce que c'était plus possible. J'ai acheté des baskets. Après, si tu as cheval, t'as pas besoin de chaussures. Genre toutes les couleurs avec des paillettes dessus, c'est trop beau. Allez, monsieur Vert. Allez, Mr. Green, étale tes connaissances. Foi en toi. Honnêtement, si tu voyais ce que j'ai sous les yeux, je pense que même Ralgay il se dit putain, comment il va faire. Bah vas-y, monsieur l'intelligence supérieure. Pardon, excusez-moi d'être super doué, mais là, c'est compliqué quand même. On pourrait refaire du bon parti un jour, parce que je trouvais ça fun. Oui. Je paniquais, mais c'est drôle. Enfin, si c'est pour ensuite faire un duel pendant un quart d'heure avec Imra, bon. C'est clair. Non, mais les prochaines fois qu'il y a du bon parti, alors il y aura sûrement des duels qui durent longtemps, mais ceux qui observent et qui peuvent commenter. On prévoit les boissons et les chips et les petites olives, les petites carottes. Allez, monsieur le vert, tu peux le faire. Intelligence supérieure, mais pas vive. Hein. J'ai un vert. Honnêtement, si tu voyais mes cartes. Mais je ne les vois pas. Oui. Tu comprendrais qu'il faut qu'une intelligence supérieure n'est pas suffisante et qu'il faudrait une intelligence transcendantale. Mmh. Ça commence à faire beaucoup quand même. Transcendantale. T'as vu, je t'ai dansé, regarde. Au pire, tu t'entends un. Ah, super! Eh ben, faute de mieux! Tu as la possibilité de passer ton tour, sinon. Oui, non, moyen. Autant tenter un si, truc en peux, un, quand vas-y. Même. Vas-y, monsieur Vert! Passe ton tour! Mais non, d'ailleurs, il n'y a même pas la possibilité de passer mon tour. Je suis obligé de passer. En fait, je suis obligé de donner un indice. Oui. C'est nous qui passons notre tour, en fait. Et confiance. Mon enfant. Quel horrible Disney. J'aime vraiment pas le livre de la jungle. Ah non, il est super chouette. Moi j'aime juste le nounours. Mais j'aime pas le reste. Mais le nounours, j'aime bien. Parce qu'il en faut.
Ah putain. Vraiment très peu pour être. Ah putain, mais pourquoi cette carte elle est bleue? J'avais un truc trop bien. Tente, vas-y. Non, non, ça passera pas. Ça passera jamais. J'ai pas envie que vous donniez une carte à l'équipe adverse. Mets-moi en MP sur Discord ce que tu veux mettre pour la science. Donnez-moi. Vas-y, monsieur Fay. Donne lundi. Il manque toujours un truc de la montagne, au fait, pour vous. Oui, bah du coup, oui. Le gollum est intéressant. Il est belle. Comment peut-on s'imaginer? Le point culminant, c'était pas si bête. Non, non, le point culminant, c'était pas si bête. Oui, ou Gollum. Ou Gollum. Ou Gollum. Ou Céline Dion. Quoi? C'est quoi le rapport avec la montagne? Ah, la Suisse. Pourquoi? Elle a représenté l'Eurovision de la Suisse. Parce que pendant ses performances, elle en fait des montagnes. Nous ne validons pas cet argument. Non, mais par contre, et Céline Dion, Eurovision Suisse. Vraiment? Bien sûr. Ah, mais pourquoi elle a représenté la Suisse? Oh, je ne sais rien, t'as qu'à lui demander. Suisse, et elle a gagné, d'ailleurs. Et elle a gagné, 88, oui. 88, quelque chose comme ça. Elle était face à... comment elle s'appelle? Belge. Face à la mer? Non, Belge. J'aurais pu... C'est pas Hélène Segarra. Lara Fabian. Je crois qu'elle était face à Lara Fabian. Elle est belge. Oh le duel. Mais elle représentait la Belgique à ce moment-là, Lara Fabian. Je sais plus si elle est belge ou pas. Mais... Elle est belge. Elle est belge, voilà. Ah bon? Il me semble qu'elle elle aussi ça, chanté hein. Le générique de fermeture de Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Du coup, monsieur Vert, c'est quand tu veux. Si. Sérieux? Si, c'est Lara Fabian qui chante ça. Hop. Oh bordel. Voilà. Ça manque d'indice hein, quand même. Voilà, voilà. Hop, voilà. Comme de la cette année à l'Eurovision, voilà. Je pense qu'on peut partir là-dessus voilà, sans... Voilà. Voilà. Sans problème. Mais attendez, attendez, est-ce qu'il y a Homer Simpson dans la centrale nucléaire des ingénieurs? Il est pas ingénieur. Non, pas je, pas sais, ingénieur. Je sais, je sais pas. Ça. Il n'y a pas d'informaticien là-dedans. Irresponsable. C'est pour ça qu'elle pète tout le temps la centrale. Et ben, bombe. Allez hop. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la montagne? Gollum ou point? Alors attendez. J'avais quand même bon. Plutôt Gollum parce que le point culminant c'est un peu tiré par les cheveux. Sachant que la carte des Alpes était à côté de Gollum, donc il y a pu y avoir une association ouais. D'idées directement comme on ça. J'ai le temps de regarder mes mails. Donc ouais, Gollum. Je, sais pas, je pense que Mr. Green serait plus parti sur du Gollum pour la montagne. Voilà. Ouais, allez-y, cliquez dessus. Ouais. Vas-y, je te laisse le faire, Eleanora. Ouais. Yes. Voilà. Égalité. Ralga, on n'a plus nos points d'avance. Égalité, consécration oh, pardon. You can go. J'ai trop regardé Hearthstone. Mais ça... Alors, je le tente hein, pour le beau jeu. Non, oh, non. Ça mais veut non. Dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse, ok? Oh non. Ok. Oh, ma Alga. Cravate est laide. J'en ai que deux. Oh... Il y a une tâche de fraise ça tombe bien, il n'y en a que deux. Ah mais il n'y en a que deux. Bah ça tombe bien. J'ai fait une tâche de fraise molle sur ma cravate LED. Mais il n'y a pas Olivier Mine. Oh. Est-ce que je fais une fixation? Non, pas bon. Du tout. Pas du tout. Ouais. La salade. Un mannequin, ça mange que de la salade. Honnêtement, pour être maintien, il faut un peu de chance. Est-ce qu'il a dit pour le beau jeu? Je suis sûr qu'il y a bombe dedans. Ah ouais, c'est une bombe, est-ce j'avoue. Est-ce que... Après, ouais. J'hésite pour les est-ce autres. Est-ce qu'Angelina Jolie a une carrière de, de mannequin? Même si elle l'a pas, je veux dire, elle peut. Parce que même. Céline Dion a une carrière de mannequin. C'est possible aussi. Est-ce qu'après, Evan a une carrière de mannequin? Céline Dion a été égérie de marque assez récemment. Hein. Ouais, mais toutes les stars sont égérées de marque partout tout le temps, tu vois, mannequin ou pas, du coup c'est compliqué. Est-ce que c'est, on peut dire mannequin? Je ne sais pas. Est-ce que Carrie Fisher? Est-ce que Princesse Leia? Est-ce que dans un épisode des Simpsons, est-ce que Homer était mannequin?
C'est vrai. En fait, on va mettre tous les cartes en bouche. Plouf, plouf. Bon, alors, soyons sérieux. Bon, alors, on va enlever ça, du coup. Pompier, peut-être pas quand même. Mais en vrai, le plus évident, ce serait genre bombe et Angelina Jolie pour. Ouais, je pense aussi. Après, bombe et salade, honnêtement, j'aimais bien l'association. C'est vrai. C'est peut-être un peu plus capable. Après, il a dit je tente pour le beau jeu, alors. Oui, mais c'est le genre de commentaire qu'on ne fait pas. Exactement. Mais Ariel, il peut pas s'empêcher de commenter des trucs. Mais du coup, on a l'impression que c'est. Ça nous induit, en fait, en erreur. On a l'impression qu'il faut réfléchir, alors qu'en fait, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on valide en premier ? On va valider Angelina Jolie. Allez. C'est bon. C'est bon pour nous. Après. Alors. Bombe. Alors, on a Stimson, non. Céline Dion. À la limite, pourquoi pas, mais bon, je. Je ne sais pas. Et ça se trouve, il est au courant que Carrie Fisher a peut-être fait une carrière en Non, pour moi, la bombe, c'est le mieux. Allez, bombe. Allez. Yes. That's it. Mais là, vous pouvez faire un plan. Pourquoi vous en êtes? Ah non, non, ils vont tomber sur le noir. Un point, après, ouais, non, mais allez, allez, il fait juste un truc là, pour le lol. Faut le tenter en 3, faut le tenter pour en 3. Pour le beau jeu. Tente-le en 3, va falloir le faire en 3 parce que sinon. Ouais, mais alors, putain, quoi en 3 ? Fais-le en 2 au pire et. Non, bah je le fais en 3. Non, on a plus qu'un à 2 jours. Non, je le fais en. Enfin, si il réussit à échouer le prochain. C'est que vous êtes vraiment beaucoup trop nul. Et vous ne l'êtes pas. En tout cas, pas à ce point. Ah, bah, j'ai cru que t'allais faire un super compliment. C'est un presque demi, gentil, en fait. C'est presque gentil. Il a essayé. Bah alors, monsieur Vert, t'as toujours pas trouvé d'indice, hein. Je crois qu'il est arrêté au feu rouge pour le coup, hein. C'est terrible. Po. Oh là là, j'étais pas prêt. C'est waouh. Hey, monsieur Vert, t'as arrêté au feu rouge. J'attends. C'est le genre de réplique que t'entends dans un film de Bryce Dallas ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est ça. Aïe. C'est donc ça la comédie française. C'est ouf, hein. Oh bon, allez, on ne réfléchit pas, on y va. Allez, fonce, monsieur. Et là, vous regrettez de ne pas m'avoir eu dans votre équipe. Parce que regardez, les gagnants, ils sont toujours de mon côté. Je sens que dans deux minutes, je sais pas pourquoi, on va se faire éclater. On va prendre un 5 à 0. J'aurais peut-être dû me taire. Bon, Mr. Green, c'est pas tout, mais nous, on a hâte de gagner, en fait. Il réfléchit, comment perdre la tête haute? Exactement. Ils veulent tenter en 3 pour le sport. Oui. Même si je sais que c'est infaisable. C'est infaisable. J'en ai éventuellement un en 2, mais il est trop risqué avec le mot noir. Monsieur Green. Et au pire, fais-le en deux et on chattera le troisième. Hein. On n'a pas le choix, de toute façon, il faut absolument qu'on fasse le troisième. On est rendu, de toute façon. Vas-y. Et confiance. Laissez-nous gagner. Ah ouais. Mais en fait, avec Nostra, tout se fait en musique. C'est ça qui est très agréable. Je suis désolée. Je suis atteinte de mute. C'est très handicapant. C'est-à-dire que son père est un humain, mais sa mère est un jukebox. Ça permet de...
Ça permet de maintenir Jake éveillé après 27 heures, presque 28 heures de stream. 28 heures maintenant, pile poil, là, tu vois. Papy 28 heures et 20 secondes, 25 secondes. Ça va, Papy Jackie? Ouais, ouais. Papy Jackie, oh là là. C'est mignon, Papy Jackie, moi. Non, c'est... Ah, alors, depuis hier, vous êtes... Depuis hier, vous êtes trop 4 personnes à m'avoir appelé comme ça dans des circonstances totalement différentes. Je commence à m'inquiéter. Désolée. Mais non, mais je trouve ça mignon. Non, non, mais ça, c'est... je sais que c'est mignon, donc ça va. Mais je m'inquiète quand même. Non, mais je m'inquiète pas. C'est mignon, mais je m'inquiète pas. Non, mais ça, c'est les charentaises et les... le tartan, hein. Arrêtez, j'aime ces motifs-là. C'est hyper classe les charentaises, d'accord? Dans 5 ans, tout le monde en porte dans la rue. Alors, peut-être pas dans la rue, non? Mais lance, si. Lance. Oh punaise. Lance. Ah bah, déjà... J'en ai pas un. Pompier, pompier, la lance des pompiers, la lance oui, des pompiers. Oui, la lance des pompiers, effectivement. Ok. Même dire... moi, je le trouve pas. On peut dire la pointe de lance. Pointe. J'en ai trois, allez. Et après, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a l'idée de la rime, chance, lance, mais ce serait très tiré par... Normalement, il n'y a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ça. Ok, d'accord. C'était pour être sûr. Donc, on peut oublier chance, normalement. Lance. On la lance sur une cible qui est techniquement un cercle. On va y pompier en premier, déjà. Oui, pompier, oui. Lance incendie. Ok, jusque là tout va bien. C'est là que ça se complique. Après c'était lance en tant qu'objet, mais ça peut être aussi un lancer. Enfin. Ouais, mais tu lances souvent des béton. Non, toi un lancer, ça serait pas c'est comme ça. Il y aurait un lancer. C'est. Ah, rien du. Oui. Hein? Ah oui. Il y a pas des choses en musique qui s'appellent lance ou lancer? Ouais, je sais. Non, ça me dit rien. Non. Il y avait des lances dans Star Wars? Je ne crois pas. Non. Non. C'est pas une arme très mise en avant. Pas très répandue, ouais, non. Princesse Leia, ouais, je l'ai capturé. J'avais jamais entendu parler des lances laser. Si c'est le cas, c'est très con. Homer Simpson, je l'écarte aussi. Ouais, je l'écarte aussi. Salade aussi. Salade, je tourne autour du fer, mais... Elle a pas un fils qui s'appelle Lance? Je sais pas, je demande. Non, je crois pas. Ou un cousin, ou un petit neveu. Non. Attends. Céline Dion, enfant. Non. La René Charles et compagnie. La René Charles, Nelson et Eddie. Voilà. Une pensée. Lance. Pour Eddie Mitchell. Pensée, lance. Il a pas le droit. Si ça sonne pareil, il a pas le droit. Eddie Mitchell? J'ai pas compris la blague. Je sais pas, j'avais envie d'une pensée pour Eddie Mitchell. Eddie. C'est Eddie. Bien sûr. Est-ce que vous voulez tenter la pointe de lance? Je suis pas grand convaincu, mais là on parle vraiment de point, pas de pointe. Oui, mais après il fait avec ce qu'il a. Oui, mais... Je pense que Mr. Gain aussi a fait avec ce qu'il avait, donc... Oui, c'est ce que j'aime dire. Je ne me prononce pas. Au pire, on met lance de côté. Est-ce que vous avez une meilleure proposition? De toute façon, il y en a deux cartes encore. Ouais. Donc, je vous salade, donne, je pense qu'on peut l'éliminer. De quoi? Salade, je pense qu'on peut l'éliminer. Homer Simpson aussi. Bah, Homer Simpson et Leia, oui. Clairement, les deux, là, je vois aucun rapport. Salade, je cherche depuis tout à l'heure, mais... Par défaut, pensée et chance, faut les éliminer parce qu'il n'a pas le droit d'écrire des mots qui ressemblent trop. C'est quoi le rapport avec pensée? Chance, pardon, lance, pensée. Ouais, lance et pensée, c'est pas si. Je pense que pensée, peut-être pas, mais pour chance. Chance, d'accord, je veux bien être d'accord avec ça, mais par rapport à pensée, non, quand même. Après, effectivement, il y a du cercle pour la cible, pour la lance, mais bon, c'est pas vraiment une lance que tu vois. Céline Dion, elle a pas écrit un morceau de musique dans lequel elle parle de lance? Lance-moi ton cœur, baby. Non, c'est pas ça. Non. Et là, autour de la note, quand par rapport au lancer, la note, il y a une note à la fin, une note de... Non, mais... Je jury, tout ça. Je sais pas. Allez.
Bon, allez, validez votre point. Je suis pas convaincu, mais bon, d'accord. Soit vous avez. Oh, on vous donne un point incroyable. Oh, waouh, waouh. Wow, et là, faut faire quelque chose. Là, en vrai, le dernier, faut le piffer en fait. Ouais, c'est. Littéralement, le dernier, faut le piffer parce qu'il a aucun rapport avec le mot. Ah. J'ai un petit peu peur. Hein. Alors, est-ce prenez quelque chose là, qui ne peut pas être relié au mot. C'est tactique. Et surtout qui ne peut pas être relié au mot précédent. Ce qui, a priori, est le cas pour tous les mots. Oui. Ou alors une note. La note ouais, elle est un peu à part, la note, ouais. Merci pour le follow. Merci beaucoup, Anouar. Jetez un dé. Et basez-vous sur le dé. Quel que soit le résultat du dé. Nous devrions même dire lancer un dé. Ah, 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 quelqu'un a un dé d'ailleurs sur lui? Oui. Nope. Tu vas sur random.org. Il reste 9 cartes. Donc on dit que la première c'est Céline Dion et que la dernière c'est note par exemple. Et on. Gauche. Ah, on lit pas au merci. Mais style, en fait, tu fais colonne par colonne. T'es obligé de le mettre, Homer Simpson, parce que. On fait colonne par colonne. Donc le 1 c'est Céline Dion, le 2 c'est okay, Pensée, le 3 c'est Beethoven. Du coup, le 5 c'est Salade, le 6 c'est Chance. J'ai le 7 c'est Princesse Leia. Honnêtement, le 1 sur 9, ça se tente. Oui, vas-y, vas-y. Le 1 sur 9, il se tente. Allez, vas-y. Si vous gagnez ce soir, jouez au loto, quoi. Allez, avec ta est, quoi. Les jeux sont faits, rien ne va plus. J'ai un D10, si vous voulez. Tu relances le 0. Allez, et un D10. Peu de chance qu'on tombe sur 10 quand même. Une chance sur 10 a priori. Alors j'ai eu un 9. Bah note du coup. Si c'est ça, allez, c'est parti. Incroyable. Tant de hype. C'est pas la noire, c'est pas la carte noire. C'est pas la carte. Oui mais ils ont gagné. On peut être débile. Ouais, enfin faut être particulièrement débile pour rater celui-là. Oh là là, ah ben, là... Que c'est... Ah, Beethoven était souvent dans ses réflexions. Oh, oui, chance, alors, c'était chance. J'étais sûre que c'était chance. On l'a même parce pas indiqué, lances, tu l'as validé. Ah oui, non, mais moi je ne laisse pas le temps. Je... Honnêtement, est-ce que tu as dit... Road to the victory. Hein. Est-ce que, monsieur Vert, tu as dit lance pour chance? Non, en fait, c'était juste pour les deux premiers, pour pompier, du coup, d'accord. Pour pointu, comme la, enfin, pour point, comme la pointe la d'une lance. De la lance, ouais. Voilà, hein. J'ai fait ce que j'ai avec... J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, littéralement. Ok. Vous voyez, vous m'avez pas dit. Limite, j'aurais dû en mettre deux en fait pour que vous piffiez le troisième. Voilà. C'est raté. Bah, n'empêche que je mets montagne et vous dire le mont Fuji ou la montagne du destin. Oh, il a écrit montagne, prenons donc le mont Fuji. Oh. Bah oui. J'avoue. Non, parce que moi je l'avais dit. Il y en a un seul qui m'a suivi et. Il était malheureusement tout seul, quoi. Je trouve que tu fais preuve de mauvaise foi, quand même. En fait, vous voulez jamais... Jack contre Drago. Allez. Et les deux qui l'ont pas encore fait, c'est Imra et Eleanora, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est ça. La prochaine. Il faudra rush off. Contre Monsieur Vert. Mais c'est vrai, statistiquement, t'as une chance sur deux d'être dans mon équipe au tour d'après. Et non, c'est bon. On va perdre. C'est bon, je suis avec Jack et enfin, Miss Green. En vrai, non. Non, ça va. Avec je dis des bêtises. Tu as 3 chances sur 7 dans la même équipe. Je suis avec Drago depuis le début et on gagne. En fait, c'est ça. C'est le combo gagnant, c'est le duo. C'est... Non, mais tu veux dire, il a dit qu'il ruinerait mes parties. Donc, à partir de là. Alors, et là, pour le coup, il y a aucun truc geek. Ouais. Tonnerre de Brest. Moule à gaufre. Pourquoi pas bon sang, d'eau douce, fichtre, bisque biscarage. S'il y a théâtre et Molière dans le même truc. Alors. Ouais, mais tu vois, il y a ni armure ni cheval. Ouais. Je suis très triste. Après, un uniforme, tu vois, ça peut passer aussi. Il n'y a ni Olivier ni mine. Oh, ça va, qu'est-ce que c'est bon. Après, il y a uniforme. Et c'est vrai que c'est sympa d'être uniforme. Oh, il y a du rhum. Il y a du doigt. Pour,
pour meubler le temps que nos espions recherchent, quand j'étais espion, j'ai hésité très franchement à faire deviner liberté et pensée avec Pani. Oh ah, putain oui, la liberté de penser. Oh oui, bien vu. Ouais. Mais il y avait Céline Dion. Oh, et ben... Bah, ils ont fait un duo. Ah bon? Ouais, c'est quand même bien. Non, mais Gazon qui allait faire un duo. Liberté et pensée en début. Ouais, Gazon, Florent Pani, c'est la même... Tout ça, c'est les mêmes énergies, non? Vraiment, c'est la variété française, fin des années 90, début des années 2000, quoi. De toute façon, c'est tous pareil. Ouais, tous des bruits. Allez, GG, ramène la petite sœur. Ignoble. Eh, hey, tu mets un double rhum, parfait. J'ai besoin d'un mot, là. Ou la route du rhum, tu mets bateau, route, rhum, c'est parfait. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de mots qui se carabinent avec les tiens, Jake. Tu mets Saint-Malo, on te trouve marin, route et rhum. Ouais, mais alors Saint-Malo, techniquement, c'est deux mots. Tu mets juste catamaran. Tu mets catamaran, tu peux mettre plein de trucs. Les noms de Lyon, on n'a pas droit aux noms composés. Tu peux même mettre en quatre avec barre. Tu mets juste Malo. Hein. On a le droit aux noms propres, d'ailleurs. Eh. Oui. Il y a les moules aussi. Tu mets marée basse. Vu que dans les mots à deviner, tu as des noms propres, je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de mettre des noms propres. Mmh. Et je pense que Saint-Malo, ça passe également. Vu que c'est une. Saint-Malo, sympathique. Ouais, puis c'est une seule entité et les deux sont indépendants, quoi. Oui, bien sûr. Ce serait méga fort de faire deviner, mettre Saint-Malo pour faire deviner un truc en rapport avec tes seins et ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois le truc vraiment pourquoi ultra tendu. Pourquoi pas genre l'esprit des gens. On a Molière. Avec Molière, on peut mettre du coup forcément le théâtre. De toute façon, ils sont pas ensemble. Ouais, de toute façon, là, il n'y a pas eu un instant. Oui, donc tous les mots qu'on a cités sont pas ensemble. C'est ça. Aucune illumination là. Obviously. Bah, sinon, tu le fais deviner en un, on t'en voudra pas. Oui, c'est bien ça. C'est joli, hein, comme chiffre. Au pire, tu passes ton tour, hein, on t'en voudra pas plus. Sinon, il y a. Tu mets pirate, et là, on te met aussi boulet avec tout le reste. Parce que, tu sais, les canons... Ah ouais. Ça passe. Donc, chrome, bon, boulet, marin, bar... Ouais. Route, parce que bon, route du rhum, je dis que ça va ensemble. Moule, parce que faut bien manger. Parce que la flotte, voilà. Tonnerre, parce que tonnerre de Brest, parce que le capitaine Haddock. Voilà. Exactement. Vous voudriez pas... Restez calme 2 secondes. Et puis on peut mettre. Bienvenue dans les Mardi Vassand. Oh, tu noteras que moi je te déconcentre parce que je suis pas dans ton équipe, mais Nostra te déconcentre alors qu'elle est dans ton équipe. C'est du sabotage. La réponse que tu cherchais est non. Une mutinerie. En attendant, bienvenue sur Mardi Vassand. N'hésitez pas à donner. c'est génial, où on s'amuse. Et voilà. Alors tu m'excuseras Nostra, mais je préfère l'argumentation à terre. C'est génial quand même. Ouais. Waouh, mais c'est génial ici. Waouh. Waouh, mais c'est génial. C'est génial ici. Ta gueule. Punaise. Quel grand moment. Exceptionnel. Le chat, mais c'est génial. Exceptionnel. Vous y mettez pas aussi. Pure soirée de folie. Oh non. Mais non. Envie de danser. On a le tonnerre et on a le rhum, je pense. Après, il y a marin. Et puis. Et puis il y a moule, et puis la barre. En fait. Non, en vrai. Doc, c'est un poisson aussi. Hein. On peut se. Puis c'est un boulet aussi parfois. Oui, aussi. Puis il a la démarche qui dit tube. Et du coup, il a le cœur, le palpitant.
Puis bon, avec ce qu'il boit, c'est un peu une poche aussi. Hein. Pas faux. Il porte des bottes en plus. J'aimerais communiquer avec mon équipe. C'est bien. Excusez-moi. Vous, c'est pas très senti ou... À un moment, il porte des monocles, le télescope. Ils sont des martes, ces enfants. À un moment, ils vont chercher la momie de Raskar Kapak. Oui. Et puis il va chercher une barre aussi. Hein. Puis il y a Chang à Pékin. Tiens bon, la barre, tiens bon. Et c'est bon. Santiano. Puis bon, ils vont chercher Chang à Pékin, sauf qu'il s'écrase dans un lion, du coup il se gèle. Après, il a un uniforme aussi, un ad hoc en soi. Est-ce qu'on tente un truc en plus? Ah oui, mais c'est en 3, bah il y a Marin, allez. Et on tente un autre truc, allez. Oui, tente un autre truc. Vas-y. Alors, je pense que s'il y avait, plus comme uniforme, il aurait mis 104. Non, allez, on arrête. Non, parce qu'en 4, en fait, il aurait eu moule à gaufre. En vrai, j'y ai pensé à moule à gaufre. Moi, je pensais à moule à gaufre avant Rome, en fait. Kevlar. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est une matière, le Kevlar. C'est une matière. En 3, est-ce qu'il y a pare-balles ou un truc comme ça? On fait des oreilles en Kevlar, donc je déconne. Je ne crois pas. Pour ceux qui ont le sommeil lourd. Pour se protéger des tirs d'armes à feu. Donc boulets, peut-être ouais. Des boulets. Attends, poche, télescope, oreiller et recette. Bon, déjà, je pense qu'on peut valider au moins uniforme et matière. Okay. Pour moi, oui. J'ai validé le premier. Je vais sur le autre. Ok. Les fameuses momies en Kevlar. Botte Pékin, démarche moule, cœur double. Y'a pas de gel de Kevlar. Y'a pas des poches de jean en Kevlar. Non. On sait jamais, pour pas les trouer, comme ça tu perds pas tes clés. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Hein. Merci. Je m'en fous, c'est pas moi qui ai cliqué, c'est pas ma faute. Bravo Ralgar, ah bah bravo, on peut compter sur toi. Merci, c'est trop gentil Ralgar. Ah, je suis pris de court, je ne pensais pas qu'ils allaient foirer aussi vite. Mais ça va. Ah bravo. Le troisième, Kevlar le troisième. Je le comprends pas le troisième. Je crois que je le vois le troisième. Moi je crois que je l'ai aussi le troisième. C'est, ça se trouve le troisième c'est cœur du coup, avec ton Kevlar, t'as un bijou par balle. Cela dit. Pierre, en fait, t'as un cœur de Kevlar quoi. Non. Double pour la doublure en Kevlar. Ouais, doublure, je pensais, ouais. Ah. Double épaisseur, enfin, le côté. Comme le papier toilette, quoi. J'avoue. Oui, je suis pas sûr de l'analogie, mais oui. Quoi, vous avez pas du papier toilette en Kevlar, vous? C'est pour ça que ça gratte. Ça va faire mal. Au pire, Drégo, moment, on les laisse jouer, et du coup, on gagne forcément au bout d'un moment, parce que. On parierait là-dessus. On a confiance, on a la foi. We believe in you. Abdouli, vacuum fly. Allez, Drégo, tu nous délaisses. Attendez. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ce qui est bien, c'est que chaque chanteur, chaque équipe a son chanteur. Quand même bien fait. Je suis une petite amie. Oh purée, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et de manquait pas. La voici ici. On s'en est mis pour de. Oh mon dieu. Mais quelle soirée. N'empêche, je veux ce costume de Libellule. Je l'ai déjà entendu Imra chanter aussi. Oh, t'es pas le seul, Kotraf. Je me vois à toi, Kotraf. Ah, mais ça, ça veut dire quoi ça? Bon, on a chanté ensemble, Imra, rappelle-toi. Oui. Mais non, mais je sais, mais ça avait. La sonorité était. C'est une tendance à. Waouh, franchement, à. La plaie, quoi. Ouais, Kikia. Te battre?
Oula, monsieur Vert, faut que tu sois sur arrête. Évidemment, monsieur Vert, on partage. Drigo, what are you doing? Je m'arrache quelques cheveux. Il t'en reste? Oui, quand même. Cette opération en Turquie. 3, il en reste 3. Homer Simpson. Voilà. Sinon, faut mettre du gel. Aïe, 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 aïe. Et si on faisait un petit karaoké en attendant? Non, on va éviter. Ok. C'est pas juste. Je reste hypnotisé par Sim dans cette scène. Hein. C'est quand même... Mais Sim, il est... Waouh. C'est un peu un exemple pour tout ce point. C'est un modèle de pour beauté, moi. De beauté, surtout. De charisme. Ouais, en plus, t'as vu son petit costume tout vert, là? Ça tirait trop bien. Ouais. Eh, mais non, il tire trop sur le bleu. Oh, non, c'est un petit vert pastel. Bon, un petit turquoise, bon, ok, d'accord. Ok, d'accord, à la limite. Va falloir mettre un timer, hein. Continuez. Non, pas ce soir, la prochaine fois. Le ville titre, c'est juste... Ça y est, c'est l'heure de dégénérescence, il est 22h passé. C'est exactement ça, Kotraf. Je vais mettre un truc pas très joyeux. De la mort. Ok, c'est pas grave. Par décapitation. Putain, c'est vraiment la mort, merde. Ah, excusez-moi, mais je suis passé au MP3 depuis. Merci, Jack. Merci. De rien. Allez, c'est parti. Allez. C'était Molière. C'était bien trop. Il aurait fallu une idée de réel, quoi. Mais on sait pas, je l'avais pas. Je suis désolée. C'était bien de. Moi, je note que ça a perdu à cause de Ostra. Hein. J'avoue. Non, c'est là, vraiment, c'est terrible. Je me suis trop précipité. Première carte noire, ouais. Je précise, la troisième carte pour Kevlar, c'était bien double. Oui. D'accord. Dans le sens du jeu, du coup. Ouais. Mais par contre. Enfin, vous avez donné trop de choses comme indice qui pouvaient fonctionner au début. La route du Rhum, tout ça, c'était bon. Bah ouais. Du coup, j'ai pas osé me mettre ça mal, j'aurais pu. Mais t'aurais pu, hein. Moi, des fois, quand je trouve pas d'indice, j'attends qu'il donne des trucs et je le fais. Hein. Ouais, en fait, l'idée, c'est que si t'as le gars dans lequel d'en face, t'attends qu'il dise des trucs. Souvent, ça marche. Regarde, il reste. Donc, Kira et Eleonora. Oh non, je suis avec Nostra. Oui, mais c'est, hein. C'est bon, je suis pas avec Nostra. Je suis pas avec Nostra. C'est deux victoires. C'est deux victoires sur trois games. On repart un petit peu sur du. Un petit peu. Y'a Godzilla. Y'a Godzilla et Tintin. Et Tintin. Godzilla. Y'a Maracas. Y'a Blizzard. Maracas. Pardon? Il y a Michel, c'est le Brésil. Le cœur a ses raisons. On le sentait très enjoué par les maracas, pour le coup. Là. C'est dans le cœur a ses raisons. C'est Brésil. Je crois. Bah, je crois, j'en suis sûr. Non mais... Je c'est crois. C'est assez animalier. Rapport au Wakete, qui est un animal aquatique nocturne. Oh non, mon dieu. Le... Est un animal aquatique nocturne. J'ai vu quoi. On avait Haddock, on a maintenant Tintin. Le Fifu. D'un animal aquatique nocturne. C'est fini, oui. Oui, je vous crois. Il y a Green qui rit en chérie derrière. La carte noire, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que j'avais mes combinaisons sur le reste. Hein. C'est dommage. Mais j'avais quelques mots qui rentraient en conflit avec. Avec tes mots et je m'en sortais pas. Mon esprit ne réfléchissait plus. Ah, c'est sûr que. Mimi et esprit, en vrai, c'était très compliqué de faire deviner l'un sans l'autre. C'est vrai qu'en fait. On peut pas faire de synonyme trop proche. Bah, tu peux faire un synonyme, mais faut pas que ça ait le même radical. Oui.
Donc à partir de là, tu peux faire un synonyme, vu que si c'est la même radical, c'est pas un synonyme, ça va être une variation du mot, genre un adjectif, un adverbe, un machin. On appelle ça le champ dérivationnel du mot. Merci. Ou plus communément, un mot de la même famille. Mais je peux avoir un mot qui est construit différemment. Alors, dans la famille des mots, je demande le père. Ouais, mais est-ce qu'il est gothique dans ce cas? La famille des mots. Les mots. Allez, stop. Incroyable. Non. Oh là là. Énorme. Énorme. LOL. T'imagines si Sheriff Aluna Gothic avait chanté, il avait les mots, mais pas pareil. Il n'était pas nécessaire de reparler de cette artiste. Si. On n'en parle jamais assez, je trouve. D'ailleurs, elle devient quoi? Vas-y, je vais... Allez. Elle devient Sheriffa Luna. Sheriffa Luna. Alors, Sheriffa Babouche, dites Sheriffa Luna, elle est née à Évreux, putain, la pauvre. Un peu de respect pour les espions qui se triturent les esprits à trouver des mots. Sheriffa Luna et son mari 2020, mais gueule, enfin. Pourquoi Sheriffa Luna ne chante plus? Tiens, très bonne question, Google. Constellation. Qui est bien entendu un vaisseau dans Star Citizen, mais ça n'a rien à voir. Non, si on pouvait parler d'un vrai jeu à la place. Idéalement fini, ce serait bien. En décembre 2012, elle co-signe un appel d'artistes et de personnalités artistiques en faveur du mariage pour tous et du droit d'accès à l'adoption pour les couples homosexuels. Homosexuels, il n'y a pas de liaison. C'est vrai qu'on prononce le H. Je m'en fous, moi je fais des liaisons vachement dangereuses. Les haricots? Des liaisons vachement dangereuses. Des liaisons. J'ai dit lésion. Moi, je préfère, ouais. Oui, t'as dit lésion. Pardon. Bon, alors, a priori, constellation, étoile... Ah, pardon, ça... j'étais parti sur Sheriffa Luna, moi. Donc, constellation, étoile, ça me paraît moi, pas mal. Moi, je suis sûr qu'il y a la constellation du robot. Espace, ça paraît logique aussi. Après, effectivement, est-ce qu'il y aurait la constellation du tigre ou du crabe? De Godzilla. Pour alors, les constellations, quand même, c'est de base un assemblement d'étoiles. Donc, je partirais quand même sur étoile en premier. Oui, ouais, mais... je pense que c'est bon. Allez. Ne connais-tu pas la constellation de la barbe et de la casserole? La casserole, c'est vrai? Bah, il y a celle c'est de la casserole, elle existe. Oui, c'est la grande ours. C'est malin, d'ailleurs. Mais est-ce que... Parce que l'espace, c'est quand même... Ouais. Je sais pas, ça me causerait plus, moi. Ah bah, c'est l'espace. C'est pas trop global. La frontière finale, là. Je sais pas, je quand même partirais plus sur l'espace. Quand tu dis étoile, je pense à l'espace, quoi. Ah, moi, tu me dis étoile, je pense à France-Brésil. Moi je pense à ça. Ah et... oui aussi, moi je pense oui, aussi à ça bannir en ce cas. Bon après bah... c'est constellation espace. Ah voilà. Ouais. Est-ce qu'on met casserole juste pour allez, le on pif la casserole. Non, stop. Mais c'est fifou. Dans la vie, mais dans la vie, faut oser. Mais pourquoi? Dans la vie, il faut oser. Oh merde, oh, c'est pas sans purée. Bah, c'est juste du pif, hein. T'as quoi? T'as une chance sur 3 d'avoir un peu moins d'une chance sur 3? Non, mais j'ai un 3. Alors, t'as une chance sur 4 à ce niveau-là? Pour calmer. Si Nostra n'était pas dans la même équipe, je trouverais ça scandaleux que tu aies eu cette chance de trouver le fond. C'est vrai que c'est très Et démon. Blizzard. The demon. Démon. It's demons. Oh my god. Ouais, ange. Je partirais sur du Blizzard. Démon, mais personne ne le sait. Ouais, Blizzard, World of Warcraft, Légion Ardente, démon. Aucun problème là-dessus. Mais j'essaie de voir s'il n'y a pas un truc plus proche en fait. Pardon. Godzilla, c'est pas un démon? Godzilla, c'est un peu un démon. Bien sûr que non. Bah, c'est pas un démon, Godzilla. Je suis sûr que mon frère, il joue des maracas. C'est juste une grosse iguane. C'est une grosse iguane. Très gros, quand même. Oui, bah... Et il a une ossature lourde, ok. Godzilla n'est pas un démon, c'est un kaiju. Les mon chéri, c'est un peu démoniaque. Attends. Et dedans, il y a des... Il n'y a pas un truc genre avec les démons de minuit? J'en sais rien, Au bout de la nuit. Y a pas de notion de nuit, de minuit ou d'un seul nid. Il y avait des étoiles avant, mais bon. Ange, démon. Mais voilà, c'est...
Connaissant Imra, Imra n'est pas évident. Hein. Imra, je suis d'accord. Démon, Légion Ardente, World of Warcraft, bizarre. Bah, c'est bon, c'est quand même Imraou, quoi. Voilà. En plus. À partir de là, par contre, je clique pas. Hein. Donnez-nous ce petit point. Et parce que si c'est moi qui clique, en fait, c'est dans les clics d'en face. Bon, du coup, on piffe un truc. Oh, petit bras. Mais attendez, l'autre partie du corps après le petit, mais bon. Non, restons polis. Le prochain que je piffe, ça sera Gourde, je pense. Non, oui, t'es pas obligé. Non, mais on va peut-être pas piffer un mot à chaque tour. Oui, c'est vrai, t'as raison. Sinon, c'est toi qui risque de tenir une gourde pour le coup. Ça serait dommage. Ouais, ça va, oui. Les mots sont dits. Attention. Popopo! Damn! Oh my goodness, oh my damn. On te le dira, quoi. Après, il y a les cerises. Le Groupama. Groupama. Toujours là pour toi. Ou pour moi, je sais plus. Vas-y, je joue à chausson, du coup, j'ai envie d'un chausson aux pommes, là, tout de suite, maintenant. Oh, ouais, tu viens de me faire penser à des pains aux raisins. Chaussures, bah il y a chaussons. Bon bah c'est pas des chaussons aux pommes. Non. Et puis mode. Ouais. Quelle la mode hein. Oui. Après t'as les chaussures genre pour les cours. Enfin. Ah c'est vrai t'as chaussures de course aussi. Maracastique, pays cadre, Tintin, robot, crabe, Himalaya. Gourde, non, cerise. Écoutez déjà chaussons, ça me semble évident. Hein. Oui je suis d'accord. Allez hop, ça c'est fait. Peut-être plus mode. Je partirais plus pour mode, ouais. Allez. Je sais pas, maintenant j'ai un doute. Pourtant vous avez mis course sous les yeux. Sinon Godzilla. Non. Mais non. Tu vas nous partager ta... Non, il n'y avait pas de... changement de pensée pour arriver à Godzilla. Godzilla, lézard, crocodile, lézard, Lacoste, vêtements, chaussures. Non, peau de serpent, les chaussures, on est d'accord. T'as pas ouais. Ça. Après, si tu veux faire comme ça, tu veux facilement faire un rapprochement avec tout, quoi. Himalaya, trekking, chaussures de rando. Alors, chaussures, chausses, sans culottes, ouais. Révolution. Et ben voilà. Et voilà. C'est la carte blanche. Bon, c'est pas grave. C'est, écoutez... C'est le karma. J'ai pas été très bien, probablement là, la course, hein, du coup. Voilà. Du coup, c'est probablement, oui. Je suis désolé. Je... Ah, ce n'est pas grave. À la hauteur. Oui, on sait que t'es pas été auteur, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Heureusement que j'ai piffé avant, du coup ça nous fait quand même un point, voilà. Mais... D'avance, il est vrai. Mais du coup, il est plus d'avance. Pas à la hauteur, c'est quand même Nostra qui avait dit chaussures de course à la base, non? Oui, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, peut-être que t'as tort, en fait. Et en fait, non, j'ai toujours raison, et puis c'est tout. Voilà. Remarque ce silence. Et on dit long, mais très très long. Bon, au pire, on le gardera pour plus tard. Onostra, je ne te félicite pas maintenant, j'ai la petite libellule dans la tête. J'allais la chanter, là, tout de suite, mais du coup, je suis retenue. Oui, du coup, j'ai la petite dans la tête. Merci. La jolie petite libellule. Pour étonner les oiseaux. C'est son humeur. Mais le et de rose en rose. Ces jeunes gens sont intenables. Alors que je vois ce film un jour, hein. Au moins pour ma culture. Et pourquoi t'as fait ça, Nostra? Pourquoi tu nous l'as remis en tête? C'est très triste parce que je sais même pas à quoi ressemble Ando et Mister Green, mais je les imagine déjà avec un costume de libellule. Mais pardon, mais c'est un alors... film? Je pensais que c'était un sketch, moi. Non, c'est un film. Oh, alors là... Tu sais, le cinéma français des années 70, c'est... Magnifique. C'est un laboratoire perpétuel, dirons-nous. C'est vrai. C'est vrai que quand tu regardes La Soupe aux Choux, c'est très avant-gardiste. Quand alors, c'est deux paysans. Alors, ils sont bourrés. C'est ça. Et puis, ils bouffent du chou et ils pètent. Alors là, ça fait des éclairs. Là, t'as une soucoupe volante et un extraterrestre qui est joué par Jacques Villeray. Hey,
Et il kiffe tellement les choux qu'il va revenir toutes les nuits pour en embarquer sur sa planète. Il a dit banco. Quel scénariste de génie quand même. Mais non, je vais pas crier. Aline. Pour qu'elle revienne. Quand je vais à Rio. De Janeiro. Deux, hein. Oui. Ah, c'est tendu, hein. Bon, Brésil, déjà. Oui, Brésil, oui. Voilà, Brésil. Hein. Mais pourquoi tu mets Maracas, il a pas juste mis Samba? Parce que le carnaval de Rio. Tintin, non, bah... est-ce que Tintin est allé à Rio? Pas que je sache. Non, il est allé en Amazonie, mais pas à Rio. Course, ouais. Non. Il n'est pas allé au Brésil, il est allé au San Teodoros. Cravate de Rio. Rio sans cravate. Godzilla, il est pas allé à Rio. Les Français, il Brésil. Il n'y a pas de, oh, de tigre en Amérique. Godzilla. Les jardins de Rio, ça me parle pas. Les cerises de Rio, ça me parle pas. Les gourdes de Rio, ouais, le président là-bas. Révolution de Rio, ça devrait pas tarder. Himalaya de Rio, c'est vraiment un problème. Crabe de Rio. Ouais, peut-être qu'il y en a, mais on... voilà. C'est peut-être des crabes. Même. Robot de Rio. Non, à part de lettres. À part le fait que ça fait un mot assez rigolo. Voilà. Après, crabe, caraboujan, opium, opiacé, Colombie, Brésil, voilà. Rio. Non, ouais, non. Camoulox. Ouais, donc Maracas. 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 Arrêtez de vous triturer l'esprit comme ça. Fini de deviner ? Oui. Même pas un petit pif. Non. Un tout petit de rien du tout. Non. Non, on laisse ça à Nostralix. Bon, du coup, non, on a course. Oui, on va y aller en dernier, je pense. La voici sous. Non, je suis pas trop sûr, mais on va tenter. Bon bah, tigre, pays. Alors, tigre, pays. Et Himalaya. Alors, après, il y a aussi le lotus bleu. Tintin, c'est vrai. L'Himalaya. Himalaya, sur... Chine, mon dieu, ma géographie. Himalaya, Chine, oui, hein. Oui, oui, oui. Le Tibet a été pendant longtemps. Comment dire, il est toujours chinois. Ouais, enfin, il est toujours pas considéré comme un pays. L'Himalaya, c'est pas que le Tibet. Hein. Il y a d'autres pays. Oui, mais quand même. C'est-à-dire que oui, c'est grand. L'Himalaya. C'est une très grande chaîne de montagnes, certes, ça touche plusieurs pays, mais bon. Bah, il y a le Népal, le Bhoutan, l'Inde, la Chine au moins. Ouais. Mm-hmm. Tu dois bien avoir les satellites de l'Inde, Pakistan, Bangladesh. Bangladesh, voilà. On peut aussi parler de la révolution chinoise, Mao, tout ça. Tiananmen, tout ça. Lequel serait le plus logique entre tigre, pays, Himalaya et Tintin ? Il y a pas miel. Alors, miel. Pays, on peut le valider, pays déjà. Ouais, mais c'est vachement générique, pays quand même. Ouais, mais Chine, pays, enfin, je sais pas, ça me paraît tellement évident. Maintenant qu'il y a plus, Brésil, c'est vrai que maintenant il peut le tenter, c'est vrai. Alors, pour info, il n'y a pas d'Himalaya au Bangladesh, mais on a cité tous les pays sinon. D'accord. Il y en a 4 du coup, c'est ça ? 5 avec le Pakistan. Avec le Pakistan du coup. Bon, ouais, je clique sur pays. Ok. Qui veut cliquer sur l'Himalaya ? Par contre, Ah, à chaque fois que c'est moi qui clique, ça marche pas, c'est fou. Oui, mais alors tu noteras, Nostra, que tout le monde avait mis son truc sur l'Himalaya. C'est pas ta faute, je devrais cliquer dessus aussi, et ça me paraissait logique aussi. Himalaya, Chine, franchement, ça faisait sens. Du coup, on a toujours pas cliqué sur course. On devrait pouvoir faire tigre, course... Oui, mais alors, vous avez droit qu'à un supplémentaire. Ouais, donc faut qu'elle fasse deviner en 3. C'est ça.
Par contre, Tigre Shin, c'est pareil, j'ai pas plus que la ça. Libellule, elle ressemble plus à rien. C'est le craquage. En fait, le tigre fait partie des Nouvel An chinois, par exemple. C'est un des signes chinois. Oui, oui, c'est vrai, je suis bête, c'est vrai que ça peut être ça. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient liés à Nazi pendant la guerre? Quoi? Mais tu fais-t-il? C'est une phrase de... Merde, j'ai perdu le nom. OSS 117. Merci. De Rio ne répond plus. C'était lesquels, les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Ah ouais, j'avais un truc, si c'était des Chinois de Chine, si c'est des Chinois du Japon, ça marche pas. Mais est-ce qu'on peut parler des Chinois du FBI? Oh putain. Ceux qui ont la ref, c'est dur. C'est extrêmement vieux comme ref. Et je la connais que par la culture populaire, parce qu'en vrai, je me souviens jamais d'avoir entendu dire ça. C'était en quelle année? Oh, c'était les guignols de l'info, donc c'était... dans les... Mais elle avait un passif de complotiste? Bon, j'en sais rien du tout. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il fait 28 degrés dans mon bureau et que j'ai très chaud. La même. La souffrance. Non, ça va, moi. Bah, il fait 20, je suis dans mon appart. Là. 23. Dehors, il fait plus chaud, mais chez moi, ça va. Actuellement, il fait 22 degrés. C'est beaucoup trop chaud. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Et ça se voit, donc ça peut être dans une gourde, même si... Ouais, un smoothie dans une gourde, bah par rapport au reste, ouais, peut-être, mais... Voilà. Bah, c'est-à-dire que le smoothie tigre, smoothie robot, smoothie Tintin, smoothie court, smoothie barbe... Robot pour le mixeur. Ah ouais, ah oui. Ah oui, je vois plus ça. Ouais. Alors, je ne m'avancerai pas sur robot, je reste sur gourde, parce que voilà, mais... Pour moi, c'est pas gourde, pour moi, c'est cerise et robot. Alors cerise, genre, bah cerise. Déjà... Je ne tiens pas à être responsable de l'échec qui va suivre. De toute façon, ce n'est pas Tintin, ce n'est pas course, ce n'est pas barbe, ce n'est pas cravate. Ce n'est pas Godzilla. Ce n'est pas Godzilla, ce n'est pas français. Ce n'est pas jardin. Jardin. Ce n'est pas révolution, ce n'est pas casse, ce n'est pas tigre. Alors, bah, un smoothie au crabe. Un smoothie au crabe, j'y crois moyen. Déjà parce que c'est plutôt des fruits plus que de la viande. Mais du coup... Pour moi, c'est pas jardin non plus, parce que cerise et jardin, il y a beaucoup d'autres façons de le faire, pour le faire deviner avec autre chose que oui. Smoothie. Ouais. Juste avec végétal. Voilà. Oui, arbre, ça marche aussi. Ouais. Et il a spécifiquement mis smoothie. Mm. Et pour moi, un smoothie, ça se fait forcément avec un mixeur. Oui. Enfin, ou un robot. L'équivalent. Et du coup, c'est pour moi, c'est forcément robot, parce que c'est beaucoup trop spécifique pour être autre chose. Enfin, pour. Eh bien, je vous laisse cliquer. Énorme. On peut pifier gourde aussi, hein, mais. Non. Mais ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Ok, donc je rappelle, on a probablement tigre, Tintin et course, donc il faudrait peut-être que tu le fasses en. Probable. Un, si jamais, enfin en 1. Fais-le en 3. Fais-le en 5. Fais-le quand même en 3. Mais il faut que le mot concerne juste le mot qui te manque. Si jamais c'est le cas, effectivement. Oui. On n'est pas censé donner des directives aux espions, il me semble. Non. Non, par contre, je vais mettre plus de mots, voilà. Enfin, l'espion n'est pas censé non plus dire ce qu'il va faire. Voilà, voilà, monsieur, je rappelle les règles. Voilà.
Et je peux, dans les règles, donner plus de mots afin qu'ils puissent tenter les oui. précédentes tentatives. Tu peux, mais t'as pas le droit de leur dire que c'est pour ça que tu le fais. C'est ça. Mais... Monsieur Vert. Oui. Tu vas tant. Mais. Tu vas tant. Tu vas tant. Tu hors de ma vue. Tu hors de ma vue. Bon, tant pis, on verra bien. Bon, ma barbe. Sans quelle barbe. Quelle barbe. Ah, même avec un petit gros aussi d'ailleurs. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui est jaune et qui va tant? Qu'est-ce qui est jaune et qui va tant? Qui c'est Camille Tintin? Tintin. On aurait pu réfléchir en fait avant de faire. Pourquoi t'as mis Tintin? Je connais pas. Parce que c'était par rapport à la Chine. Il en manque rien par rapport à la Chine. Oui, mais on a proposé le lotus bleu, tout ça, mais... On aurait la fait communication, quand même, discuter. Bah, on s'était mis d'accord avant, sur ta fin. Oui, c'est vrai, mais... C'est vrai, très vite. Mais quand même, c'était trop rapide pour nous. Dixie, c'est qu'elle avait dit deux mots d'un coup. Hein. Oui, oh bah ça va. Hein. C'est vrai. C'était les plus sûrs. Hein. Cette partie n'a aucun sens. Oui, j'avoue. Bon, mais alors, de toute façon, coup... s'ils arrivent pas en deux... Attends, du coup, ah, Chine, ouais. c'est sûrement Révolution, peut-être. Bah, je sais pas. Au alors, pire, connaissant le prochain indice, les... ça sera que pour ce mot-là, tu vois. Peut-être. Peut-être. De toute façon, nous, les Bleus, on peut parler. C'est, vu que, de toute façon, au prochain tour, si on trouve pas, ils ont gagné. Mm. De toute façon, c'est Révolution, c'est forcément le truc pour Chine. Qui leur manque. Donc là, oui, c'est pas un mot pour nous. Je pense aussi, ouais. Ce qui vient, c'est que s'il nous met Polynésie, on a Godzilla et Français. Donc s'il nous met pas Polynésie, c'est que c'est pas ces deux-là. On va tester, on va leur donner... Polynésie, Godzilla, quel rapport, pardon Le film de Godzilla de Ron Emmerich. Ouais, le film de 98. Les tests nucléaires. Ouais. Oula, oui, ah oui, c'est un film que j'ai tendance à occulter, celui-là. Donc déjà, c'est pas Godzilla et Français en même temps. Cadre et cravate, je pense que c'est gérable de faire un mot avec. Ouais, voilà, oui, tu es bureau. Oui. Après, tu... s'il y a animaux, bah, Godzilla et crabe. Ouais. Versailles. On dit, sinon, pour... Versailles pour les en deux vers Jardin à la Française. Sinon, tu mets pas bêche pour gourde et Français. Oh. Oh là, dites-lui, faites-lui toutes les associations, dites-lui le mot, comme ça il vous mettra le ouais. prix. Washington. Washington. Voilà, Washington, voilà, très bien. Super, donc c'est pas la France, c'est pas un... Il y a des jardins à Washington? Oui, France, sûrement. Sûrement, oui. Bah, a priori, à la Maison Blanche, il y a des jardins. Bah, attendez, Washington, est-ce que Godzilla... Alors, déjà, à Washington, ils ont des cravates. Oui. Il n'y a pas que là-bas, à ma vie, hein. Je vois pas comment, pourquoi Godzilla, il avait rien à foutre à Washington. C'était la question, est-ce qu'il a pas envahi une fois? Godzilla, c'est le Pacifique. Oui, voilà. De toute façon, c'est côté Japon. Voilà. Dans ce cas... C'est un kaiju du Pacifique. D'accord, alors pas Godzilla, pas français, hein. On est d'accord, pas français. Pas français. Bah, Washington, c'est pas trop français. Voilà. Tu veux Paris. Un jardin, je sais pas, il n'y a pas de jardin remarquable spécifique à Washington. Par contre, révolution par rapport aux événements récents de janvier. Ouais, alors j'aurais plus vu la déclaration d'indépendance. Oui, bah, George Washington. Peu, voilà. Oui, aussi George Washington. La révolution américaine. Ouais. Salut, Diaz. Mais du coup, je comprends pas c'était quoi le mot pour Chine. Diaz, cet après-midi, on a redessiné le logo Ivasan, mais sur Paint, c'est une horreur, mais c'est très drôle. Si tu veux le regarder, c'est dans le canal Mardi Vassan du Discord, donc n'hésite pas, Diaz, de mon commentaire. Vu que c'est toi qui nous avais fait le logo à l'époque. Bah oui, mais faut pas boire quand je dis des trucs, hein, c'est pas bon. Alors, si on suit la logique, ce n'est pas cadre, parce que pour nous, Washington, il y a cravate dedans, et on a dit que pour cravate et cadre, il y a beaucoup plus évident que Washington. Voilà. Fallait mettre bureau si c'était cadre. Ou alors, si ça se trouve, il a voulu mettre un autre mot que celui que vous avez proposé, justement pour faire beau jeu. Oui, mais c'est possible aussi. Je vois pas le rapport avec crabe, les fameux crabes de Washington. Hein. C'est bien connu. Et je vois pas le rapport avec gourde.
Ou alors c'est Révolution et Français, mais à ce compte-là, tu mets plutôt Robespierre, en fait. Oui, bah, tu mets Guillotine, tu mets... Oui, tu, voilà, t'as beaucoup, t'as plein de trucs. C'est complexe. Bon, on va aller de cravate. Parce que ça peut être l'État, la ville, le président. Mais bon, ça a beaucoup de sens. Mais l'État, il est aux F, il y a Seattle, quoi, mais... Oui, parce que l'État de Washington, c'est... Oui. C'est un... Ouest, Washington. Nord-ouest, l'État de Washington. Ouais, c'est tout en haut. Tout en haut à gauche. Mais voilà, c'est... Enfin, bah les couilles, quoi. Bah, il y a Seattle, quoi, c'est... Mais bah, sinon, c'est... Voilà, c'est... Waouh, t'as une frontière avec le Canada, exceptionnel. Tu peux aller à... Le Canada, France... Non, c'est le Canada en plus, c'est pas le Québec là-bas. L'État de Washington, je suis sûr que si tu te balades, tu retombes sur des décors de Stargate, quoi. Il y a pas une histoire de nom de meuble Washington? Pas que je sache. Je sais pas. Ouais, ça me... Hey, parce que c'est vrai que Stargate, ça se passe dans le Colorado, mais ça a été tourné... On est côté canadien, en fait, côté ouvert. Mais bon, c'est... Mais c'est ils ont des screenshots de Shane Mountain. Ouais. Bref, arrêtons de digresser. Disgraisser. Bon, hop, voilà. Au bout d'un moment, faut faire des choses. Deuxième. Ça devient tendu. Yes. Ah, je l'ai... Godzilla. Merci. Mais pourquoi il n'y a absolument pas Washington, en fait? Si, dans le film de 2019, Godzilla est à Washington DC et il détruit la ville. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a une scène où Godzilla détruit la ville dans King of Monsters, dans le dernier. Là. Voilà, ah, oui, il y a énormément de films. Godzilla, vous êtes fixé sur un, mais là, énormément, en fait. Oui. Mais... Le fait est qu'on a encore gagné. C'est-à-dire que... Enfin, tu fais pas deviner Godzilla avec Washington. Et donc, et les révolutions, Mao, tout ça, c'était lié. C'était la Chine. En fait, je me suis vraiment pris la tête sur Google et essayé de trouver un pays où il y avait des tigres, mais pas d'Himalaya. Ah, dur. Alors, il y avait une question de... Népal, Tibet, je suis passé partout. Il y avait une question de mon côté par rapport à Blizzard. Est-ce que vraiment Démon était lié à Blizzard? Je pense que oui, mais... Au départ, non. Au départ, j'essayais justement de faire deviner Godzilla pour m'en débarrasser assez vite. D'accord. Okay. Avec Angers Démon et derrière... Ah oui, c'est un kaiju. Ouais, je sais bien, mais ça faisait démons, monstres, voilà. Parce que j'avoue, cravate et Godzilla ensemble, c'était pas facile. Ouais, mais Washington, c'est celui qui collait le mieux, honnêtement. Parce que sinon, le cravate, c'était trop dur à faire deviner tout seul aussi. J'ai rien vu de mieux, en tout cas. On est tous passés espions. On est tous passés une fois. Ouais. Vous allez m'obliger à repasser, c'est ça? C'est con parce que si on avait un mot français, allez, un seul mot français pour la notion de lézard, on aurait pu deviner Godzilla et cravate en même temps. Je me suis dit que Endo, Drego, ça se terminait pareil, donc on fait. C'est vrai. Non, j'en sais rien. Oh mon dieu. Drego, on s'est pas quitté depuis le début de cette soirée. C'est un pote, c'est un Malfoy, c'est Drego Malfoy. Eh bien non, absolument pas, ce n'est pas lié. Oh non, je suis avec Monsieur Vert, on va perdre. Oui, parce que je suis avec toi, c'est pour ça qu'on va perdre. Le combo va être... Est-ce que tu crois que nos deux coefficients négatifs, ça s'annule? Alors, la dernière fois que j'ai joué à Codename et où j'avais Princesse, j'avais également Tunnel et Mort. Ah putain, mais oui. C'est un joli Godzilla. T'avais moyen de le faire en 4 et tu l'avais fait en 3. Mais t'avais moyen de faire oui, un truc quand même, je suis bleu. Attends, je suis bleu ou non, je suis rouge. Je que je fasse pas de conneries. Il y a Fée, il y a Princesse et tout, c'est trop mignon. Oui, il y a jamais deux mousses bien mûres. C'est choupi. Il y a Elf, il y a Salsa. Il est sympa ce tirage là. Il y a Solution. J'aime pas mes mots. Il n'aime pas ses mots. Le tirage est ultra cool parce qu'il y a de tout. Et ouais, il est sympa le tirage. Alors il y a de tout et autant pour Endo que pour moi, c'est bon, il y a du challenge, on va dire. Il y a de tout et n'importe quoi. Ouais, c'est chaud en vrai. 50. Si 10, même pour toi, 7, 8, 3, 25, 967. Le compte est bon. Oh, il y a un lapin.
Ouais, c'est en règle. Je trouve trop mignon ce tirage. Est-ce que je m'affaisse de plus en plus ? Non. J'ai juste du mal à tenir droit. Le dos droit. Ouais, ouais, mais là, je... Là, j'ai juste du mal à tenir droit. Dritto le dos. Ou alors, faut que je me mette debout. Mais, pardon. La moto, c'est fini. La petite meule. Si seulement c'était une moto. Il est en C'était un tracteur ? C'est une moto. Oui. Un tracteur qui fait ce bruit-là, mais vous vivez où, vous ? Dans une campagne en Russie, un scooter. C'est ton tracteur, il fait ce bruit là, il faut s'inquiéter quand même. Il doit avoir un tout petit moteur. Ce qui est un peu con pour un tracteur. C'est quand même pas ouf. C'est pas génial. Tu vas pas tracter grand chose. Un cheval de trait a plus de force. Quand même. En armure. Ouais. En armure évidemment. Un beau percheron là, magnifique. Un percheron en armure avec un templier dessus. Et le templier, c'est Olivier Mine. On va finir par en faire un même. En fait, cet après-midi, vous n'aurez pas dû redessiner le logo effaçant, c'est faire un montage d'Olivier Mine sur un cheval en armure, en templier. Bien sûr. Alors, on le fera peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. C'est pas une priorité, mais pourquoi pas. Voilà. Non, mais il faut garder l'idée de côté. Ouais. Et ils sont pas dégueu, là, nos logo paint, franchement. Non, ouais, franchement, vrai, je suis fier de nous. Ouais, ouais. Ouais, franchement, l'impression d'avoir produit paint. J'ai une préférence pour l'un des deux, mais j'y arrive pas. Bah, dis quand même. C'est bon, c'est bien que c'est bien. Il y en a un des deux qui respecte mieux les couleurs. Ah, c'est moi, alors. Non, moi, je trouve qu'il y en a un des deux qui respecte plus les proportions. Oui, c'est aussi, avec aussi Endo. C'est aussi moi ? Les proportions ? Ouais, le tien. Je trouve, ouais. Ah bon, tu trouves les proportions ? Mais après, je trouve. Oui. Oui. Oui, parce que le Ivasand, il est pas aussi. C'est pas comme ça normalement le. Il va sembler. Ça dépend si tu prends, c'est le logo du site ou le logo du sticker. Ok. T'as toujours un mot. T'as toujours un mot. Ah oui, non, mais c'est parce que il dessine à l'Aquitaine. Mais du coup, ça va être des haricots ou des rondins de bois ? Bah, je sais pas. Faut demander, c'est lui qui vit dans le sud-est. Allez, Drégo. Ouais, allez, Drégo. Avec des Mikado. Bon, Toulouse, c'est pas vraiment l'Aquitaine, mais. Ah non, non, clairement pas, non. Ah, c'est pareil, je veux dire, c'est le sud-est. Ah non, non, c'est pas pareil. Ah si. Bordeaux et Toulouse. Dire, Bordeaux, Toulouse, c'est les mêmes énergies. Ah non, non, Bordeaux et Toulouse, c'est des gens qui s'aiment pas. Toulouse, finalement, c'est quoi ? Je veux dire, on connaît Bordeaux et Toulouse. Bah, tu prends la carte de la France, tu la mets à l'envers. Eh ben, Toulouse, c'est la capitale de la France. Absolument pas. Hein, si tu prends la carte de la France et que tu la mets à l'envers, la capitale de la France, elle est plus proche de Montauban, voire de Brive-la-Gaillarde. Exactement. J'ai fait, Toulouse, ouais. C'est juste des gens chelous. Et si j'étais mesquin, je dirais que c'est même plutôt Aurillac. Oh, faut pas exagérer non plus. Hein. Ah ! Aurillac. Donc excuse-moi, mais ta capitale de la France, elle a quand même 150-200 bornes de décalage. Serrure. Clé et trou. Alors, oui. Oui. Oui, alors, oui, non mais enfin. Oui. Je. Oui. Allez, clé, de toute façon, c'est sûr. Oui. That's obvious. Puis bon, c'est une petite serrure. Hein. Bah, oui. Je veux dire. Allez. Voilà. Et puis, est-ce que j'en fais un au pif ? Non. En début de game, ça me réussit. Mais... Carte noire. C'est non collégial, quoi. Non, 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 je suis dans la même équipe que toi et on ne peut pas se permettre un tel risque. Il est vrai, il est vrai. Ok, j'arrête, c'est bon, je me canalise. Mais je voulais mettre fée parce que c'est mignon une fée. Oui, mais alors c'est la carte noire en fait. Y a qui dans mon équipe ? Bon, ça devrait le faire, je pense. Mais y a qui dans mon équipe ? La partie a commencé depuis 3 minutes. Non, mais je vérifie juste qu'on ait les bonnes références. C'est quoi les mots déjà que je dois faire deviner ? On joue à quoi ? Arrêtez ! Arrêtez ! C'est à moi de dessiner là, c'est ça ? J'arrive pas à dessiner, ouais. Arrêtez. Comment on fait pour changer de couleur ? Vous êtes pas gentil. Attends, j'ai oublié de te sauvegarder. Pauvre petite libellé. Pikachu ! T'es joli ! Oh putain, ça m'a saoulé. Petite olivée ! Putain ! Aïe aïe aïe, je vais l'avoir dans la tête toute la nuit, moi, je vais arriver de libellule. Le singe est un très gros rongeur aussi. Je
pourquoi l'oublier. Il y a le cochon d'Inde. C'est pas un très gros rongeur aussi. Ouais, mais... Alors, le truc, c'est que ni le cochon ni la dinde ne sont un rongeur. Est-ce que Nelson Mandela est un rongeur? Pourquoi? De quoi? Pourquoi? Ça se nourrit de quoi, les pays? Dans quel univers tu te poses cette question? Bon, de toute façon, il y a lapin, dans tous les cas. Oui, le lapin n'est pas un rongeur. Ah bon? Et c'est quoi alors? Alors, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas un rongeur. Bon, Pikachu, c'est une souris, de toute façon. Donc... C'est un lagomorphe. Ok, ça, ce n'est pas un rongeur. Les désignants une partie seulement des différentes espèces de mammifères classées dans la famille des Leporidae. Oui, 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 oui. Ils regroupent à la fois les lièvres et les lapins. Classés dans l'ordre des rongeurs, ils sont maintenant regroupés dans un ordre à part, les lagomorphes. Voilà, c'est des lagomorphes. Bon, on a bien joué. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps de parler des xénomorphes? Ce serait peut-être un peu trop. Auriez-vous quelques... Alors, est-ce que vous pouvez en parler de notre seigneur et sauveur, l'alien? Est-ce que les xénomorphes sont des rongeurs? Leur sang est rongeur, ça c'est sûr. Oula. Je crois que oui, je vous ai perdu 30 secondes. Oh, ah. Donc, petite déconnexion, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Elle a cœur. Ah d'accord. Cœur. Ah bah d'accord. Plaignez-vous auprès des CFR, pas auprès de moi. Ok. Allez, je vais CFR, je vais défoncer la boutique. Eh ouais, mais est-ce qu'ils vont te laisser faire? Oh. Attention, on fait un manœuvre. Calme-toi, Itineris. Vas-y, Drigo, vas-y. Oula, oulala. Ah oui, ça, fais gaffe, je crois que tu te mets à chanter du Francky Vincent. Oui, ouais, on était à ça, hein. On était à deux doigts de la catastrophe. Bon, en attendant, je vous propose une petite musique sympathique. Vas-y. Vas-y, Drigo. Mais c'est, mais c'est dur, hein. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre, là? Je valide le choix de musique. Moi je valide pas juste parce que c'est une histoire. Juste, enfin, mais voyons. Mais mon vélo. Mon vélo. Mon vélo. Mais enfin. Il est déjà 23h. Oui, oui, je sais. Et t'as pas dormi, et t'as mal dormi cette nuit. J'ai mal dormi cette nuit. Tu te plains. J'ai pas dormi mes 10 heures réglementaires. Ah, il y en a un qui a pas dormi cette nuit. Mais j'avoue, Jake. Enfin, respect. Mais j'assume, hein, j'assume complètement. C'est ça, c'est un mythe. Y'a pas un vêtement pour les mythes? C'est ce que j'allais en fait, dire. Je suis pas sûr que ça soit limite, parce que ça existe le rôle de princesse, je veux dire. On s'écrit pas pareil, hein. J'ai validé. Elle fait fée, c'est vraiment... Ouais, c'est les deux seuls après... qui soient des trucs liés au fantastique. Et la, je la vois pas pourquoi Jamel Debbouze. Plus au merveilleux. La gauche de Jamel Debbouze est un mythe. Mais pourquoi pas. Ouais, oh non. C'est pas fantastique, elle fait fée, c'est merveilleux, hein. Non, alors si c'est. C'est pas pareil, je dis des conneries, c'est sa main droite dit qui est à j'aurais dit oui, d'accord. Mais... Ouais, mais n'oubliez pas que le bois c'est mais merveilleux, donc ça peut être un mythe. Non, je fais. Écoutez, fée ou elle en premier. Je vous donne la vie, les poutres apparentes. Et vous, les poutres. Oh, 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 oh,
Les anges, les sur le bois. C'est merveilleux. Maintenant, oui. Vite, super arbre, vite. Vite. Je suis super arbre, le super héros des arbres. Avez-vous déjà vu la fée Fago dans un magasin de meubles? Oh, 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 oh. D'accord. Vous n'avez pas votre mot à dire. De toute manière, le meilleur, c'est le crime pas parfait du tout. Oh oui. Ah oui. Ah oui. Non, non, c'est pas moi, c'est faux, j'en ai habité au cinéma. Ah non, mon neveu qui veut hériter de ma collection d'appareils photo. C'est lui. Au secours, bon. À moi, je vais me faire tuer. Maman. C'est lui. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi. J'étais au cinéma. Maintenant, oui. Bon. Moi, j'aimais bien l'évasion de Ravioli aussi. Non, oui. Il faisait bader un de mes potes. Beaucoup trop pour ce que c'était. J'ai mis longtemps avant de l'apprécier, l'évasion de Ravioli. Bec. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenu dans ce cas. Ouais. Bec, benzène, chimie, solution. Les solutions actuelles. Ça, c'est juste pour foutre. Ça, c'est juste pour faire chier Alga. Non, en vrai, à part mettre, là... Bon, kiwi, oui, bien sûr. Je suis pas convaincu par mettre, mais ok. Ah bah non, non, alors... attends, si t'es pas convaincu, on en discute, y'a aucun problème. Non, non, y a moyen d'en discuter, hein, mais... Singe. Bec de singe. Non. Non. Singe bec. Il y aurait eu le lapin, à la limite, il aurait pu avoir le bec de lièvre, mais... Oui. Du coup, il y aurait eu le lapin, donc mais... donc le lapin. Asie. Asie, non. Je vois pas l'alternative, en fait. Lapin qui n'est pas un rongeur. C'est un... Mais un lagomorphe. Un lagomorphe. Eh ouais. C'est l'information de cette soirée. Nous sachons. Est-ce que les princesses font beaucoup de prises de bec? Attention, on tombe dans le cliché, je vais m'énerver. Je demande, c'est une question. Un bec de cochon, les fameux becs de cochon. Je suis une princesse. Bon bec, bon œil. Bon bec, bon œil, non. Non, par contre, non. Avec un bec, tu crèves des yeux. Bah, avec les clous ouais, aussi. Hein. Et ou alors, on te cloue le bec. Ah. Ah, oui. Ah. Oui, oui. Regarde, ah. J'attends le doute. Merci de ne pas les aider, s'il te plaît. Mais je suis sûr que c'est... Oui, mais alors, faut leur donner plus de trucs, en fait. Ah ok. Pas juste un. Et surtout, pas un qui fasse vraiment beaucoup de sens. Je me suis raté, d'accord, j'aurais dû me taire. On est d'accord que entre clou et maître, clou est largement plus évident. Ah bah là du coup oui. Merde, bon, allez. Après, menu, clou de girofle, non. J'essaie de les enduire d'erreur, j'y arrive pas. Les enduire d'erreur. Bah oui, on m'enduit d'erreur. Les enduire en erreur. On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré. Allez, voilà. Yeah. Je suis désolée. Pourquoi j'ai pas fermé ma gueule? Yes, merci Nostra. Mais non, mais... Vas-y, je parle plus. Je coupe mon micro, je parle plus jamais. À mardi prochain, Nostra. J'en ai marre. Mais pourquoi? Oh, j'ai eu peur. Pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi? Ah là là. Il a fallu que je l'ouvre, hein. Voilà, forcément. Et ça, c'est parce que je suis en team avec Monsieur Vert. Hein. En attendant, je voulais une petite musique, mais sur le channel. Parce que je vais pas installer, je vais pas spammer Mardi Basson avec la musique. Oui, y'a pas de problème. Tu fais bien. Tu fais bien. Bon, ça n'est pas pour 10 minutes, hein, c'est... Alors, il y a Lingus et We Like It Here dans la même... C'est pas possible. C'est très tendancieux, hein.
Oui, mais non. T'es... Pas du tout. Absolument pas à connotation sexuelle ou érotique. Absolument pas du tout. Mais pas du tout. Sexuelle ou érotique. Sexuelle ou érotique, ouais. Grégo, comment ? Il vaut mieux haïr. Je fais gagner des points. Ah mais j'avais pas vu que t'avais mis le clip où il y a Chloé dedans. Bah en même temps c'est la, je veux dire, Snarky Puppy, l'album Willa Kittir, bon bah c'est y a Chloé dans tous les. Alors pour la pour l'anecdote, dans ce clip, enfin dans la salle où ils ont tourné leur clip, on pourrait appeler ça un clip, il y a tout un tas de personnes et il y a une personne qui ressemble trait pour trait à une ancienne collègue. Mm-hmm. Mais vraiment, doppelganger, même dans la tenue et tout, quoi. Oui. Oui, il n'a pas demandé si c'était vraiment elle. Bah apparemment, c'est pas elle, mais... Le doute est présent. Exactement. C'est-à-dire que même encore maintenant, on continue de douter. Même quand elle nous a dit que c'était pas elle. Oui. T'es sûr que tu ne racontes pas des cracks, là ? T'as peut-être oublié ? Grégo. Je vais tenter des choses. Ah ben c'est un jeu, c'est fait le cas. J'aime ces yeux. Attends, t'as dit que t'as arrêté de parler. Je chante, c'est pas pareil. Je chante, c'est pas pareil. Vraiment, je suis obligé de t'exprimer en chantant. En chantant. Ok. Yeah. Alors, par contre, t'es obligé de chanter comme n'importe quel choriste ou chanteuse de R&B random. Pourquoi tu veux pas que je chante comme ça, yeah. Président. Alors, menu Macron. Président, princesse, éventuellement. Nelson Mandela, ça semble un peu évident. Président, c'est un peu le maître aussi. Jamel Debbouze, c'est pas un peu le président du Jamel Comedy Club. Mais bon, Nelson Mandela, obvious. Tu vois, on a même pas remarqué ta référence, Monstre Alex. Hein. Ils l'ont vraiment squeezé de ouf. C'est vraiment de la merde. Non, mais de toute manière, t'avais dit que tu parlais plus, tu chantais. Sorry. Ok, c'est bon, j'ai les trois, mais c'est un peu dur quand même le troisième. Hello, darkness, my old friend. C'est pas le président de l'Asie. Oh putain. Ça se trouve, président, c'est menu, parce que c'est Emmanuel Macron. Président, j'aimerais élire en proposant des solutions dans son programme. Ah bon ? Oula. D'un certain point de vue, Hitler, il proposait des solutions aussi. Oh, je sais pas lui. Attention, on n'a pas les bonnes chaussures. Le voilà le point de vue. Il est atteint. Comme la tarte. Oui. C'est l'homme qui prend la mer. Tatin. La mer qui prend l'homme. Connard de virus. On va arrêter ça, c'est bon. T'as débarqué un jour de Chine. Retourne-nous-y, qu'on t'y confine. On aurait dit mes freins de vélo cet hiver, quoi. Voilà, c'est ça. Ça y est, on l'a perdu. Tu feras gaffe, faut huiler la porte un peu. Quelqu'un du WD-40 ? Toujours. Toujours. Non, bon, bref, sérieusement. Moi, je pars sur maître et princesse parce que, il y a des notions d'autorité quand même et de titre. Alors, maître, ok, princesse, j'ai encore un petit doute, je sais pas. Ouais, princesse, c'est un peu tiré par les cheveux, mais. Un peu tiré par les cheveux. Mais moins que solution. C'est pas très bon. Princesse. Et qu'en pense Imrap qu'on n'entend pas depuis tout à l'heure ? J'avoue, Imrap. Je suis en train de réfléchir. Moi, je vous avoue que je sais pas pourquoi je partais sur le singe. Il me semble qu'il y avait un président qui avait un singe comme animal de compagnie, mais ça ne me revient pas du tout. Pourquoi, comment ? Je pense pas qu'on fait du. Je pense pas que Drago fasse deviner des trucs avec des anecdotes. Parce qu'attends, il n'y a pas une notion de camembert qui traîne quelque part ?
Alors, tu j'ai cherché beurre, camembert, produits laitiers, j'ai pas vu. Je te rappelle que j'ai fait deviner odeur avec Chirac, hein, donc niveau anecdote. Oui, mais non, mais alors, pour le coup, celle-là, c'est presque. C'est de la culture. Elle fait partie du paysage culturel français. C'est un peu plus qu'une anecdote, tu vois. Manger. Beaucoup plus, par exemple, que Félix Faure. Ouais. Qui voulait être César, mais il ne fut que pompé. Non, c'est pas lui. Non, Félix Faure, c'est celui qui est tombé d'un train, je crois. Attends. Non, c'est Duhamel, des Chanel ou du Paul des Chanel, je crois. Ah oui, non, pardon. Oui, Félix Faure, c'est celui avec Marguerite Steinheil. Pardon. Monsieur Vert, tu es dispé. Sinon, c'est à vous de jouer, en fait. Oui, Paul aussi, Deschanel. Nous, on attend. Hein. Attendez. Oh. Nous, on a une partie à gagner, quoi. Vraiment. Bon, Imra, que proposes-tu? Bon, alors, hop. Ah oui, d'accord. Ensuite, ce sera pas l'Asie, parce que l'Asie c'est trop tordu. C'est pas leur genre d'avoir des présidents. Attends, président, Jet, Air Force One. J'avoue que ça c'est pas mal ça, les Jets. Après le troisième, j'avoue que j'ai un peu du mal. Hein. L'œil de Jean-Marie Le Pen, il a voulu être président. Président, il a des charges. Il n'est pas président, il n'est pas président. Non, il a voulu. Oui, mais non. Il est président d'honneur du Front National. Enfin, il n'est plus. C'est moi aussi, j'ai voulu faire des trucs dans ma vie, et pourtant. On a déjà eu deux, en théorie, il en manque qu'un en plus. Ouais. Yes! T'as dû tenter en deux. J'aurais dû tenter en deux. Le troisième était très tarabiscoté. Tarabiscoté. Si c'est, boost, je pas. Si c'est le singe. Si c'est la planche. Si c'est astronaute. La planche de fromage. Personne ne sait. Président, la planche de fromage. Oh putain. C'était donc ça depuis le début. Oh putain. Oh. Purée d'amiel. Est-ce que tu as ton mot en dos? Oui. Mais ça fera pas 3, je pense. Endométrie. Merci. C'est pas très propre. Non, c'est pas très gentil, ça. Hein. Et je pense vraiment pas qu'il arrivera à le faire en 3. Donc. Bah, après, tu peux supposer. Guacamole, salsa. La sauce, oui. Planche apéritive. Planche d'apéritif. Ouais, menu, mais. Guacamole, c'est plus dans l'apéro que dans une sauce de plat, non? Bah, je me dis que. Le guacamole, c'est bien. Et je me dis que s'il avait eu menu et salsa, il aurait juste mis sauce. Oui. Oui. Alors que planche, effectivement, c'est plus pour. Non, mais tu charges ton Doritos en guacamole. Et ensuite, tu manges. Pas le guacamole, c'est sud-américain. Oui, c'est. C'est oui, mexicain. Bah c'est l'Asie. Quoi. Mexicain, c'est mexicain. Oui, c'est l'Asie donc. Bien sûr, exactement. Pays de Jamel Debbouze d'ailleurs. Avec un très gros service, beaucoup d'astronautes mexicains évidemment. Oui. Je sais même pas s'il y en a déjà eu, mais. Des mexiconautes. Des mexicos. Ah, tu ne connais pas Thomas Pescos? Thomas Pescos. Mexicain. Alors, Rodolfo de Rivera est le premier astronaute mexicain né en 52. Et le seul à ce jour. Et son plat préféré, c'était le guacamole. Le guacamole. Il n'y en a pas qu'un seul, apparemment, il y en a eu plusieurs autres. Bon, déjà. Ouais, hein. Ça le il y a aussi eu, apparemment, Hector Hernandez. Hernandez, un nom très courant. Il y a eu un Mendoza aussi.
Il y a aussi José Moreno Hernandez. Que des Hernandez. C'était en deux, on est d'accord. Et... Hein, je dis bien. Oui, c'est en deux. Tout à fait. Et on n'a aucun mot de retard, je veux dire, entre guillemets, de mots de, qui viennent d'anciens indices. Non, non. Et du coup, je serais bien tenté par planche quand même. Planche ou menu. C'est le mot noir. T'en penses quoi, toi, Eleanora? La planche ou menu, en fait. C'est les monnaies, là. Mais du coup, planche, je me demande si c'était pas un mot pour les bleus. Mmh. Je vois pas comment c'était un mot pour les bleus. Parce que ça voudrait dire que c'était un mot pour président et je vois pas comment. Planche de fromage. Ouais, je pensais à ça, on fait une planche de fromage. Ah oui, ouais, ok. Merci d'arrêter de parler de fromage, s'il vous plaît, je commence. Alors attendez, guacamole, l'avocat, un petit Saint-Nectaire fermier. Ah ouais. Pas grave. J'en ai un plein. Un bon Beaufort. Guacamole, ça n'a aucun rapport avec l'Asie, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Une petite tome de Savoie, là. Ah ouais. Jouons stratégique. Ouais, commençons par les fromages doux. Non mais. Donc alors, le gruyère. Jouons stratégique. On a, de toute façon, c'est soit menu, soit planche. Voilà. On n'a pas d'autres options jusqu'à preuve du contraire. Un camembert pour la mise en bouche. Si on choisit planche, il y a deux solutions. Soit on a gagné, enfin, soit c'est un rouge et c'est bon. Soit c'est un bleu et on a probablement perdu la partie. Ouais. Si c'est menu, soit c'était bon, c'est bon, on est content. Soit c'est un mot blanc, soit c'est un mot bleu, mais c'est très peu propre. Soit c'est la case noire. Soit c'est la case noire, effectivement. Alors, plus planche ou plus menu, Ralga? Moi, je tente. Enfin, j'essaie de. Oui, oui, mais là, comme ça. Pour moi, c'est plus planche, mais... Et toi, Eleanora? Assez neutre entre les deux, mais... Ok pour planche. Ouais, il y a toujours le reblochon. Ouais. Ah oh, ouais, une petite tartiflette, là. Oh, bon, c'est pas vraiment les températures pour, mais... Mais on s'en fout. Allez. Une glace à la tartiflette. Non. Mais... Thank you. Oh, mais quelle intensité. Quelle indignité. Mais c'était bien la planche, c'est honteux. Bon, mais... s'ils perdent là, s'ils n'arrivent pas à trouver les deux, on a gagné. Oui, non mais... Normalement. Alors c'est pas pour te foutre la pression, Lolo, hein, mais tu nous fasses souvent en deux. Alors, j'ai quelque chose, mais... comme dit Endo, c'est qui tout double. Nous croyons en toi. Moi, j'ai un mot. Croyez, bâton. Nous sachons. Ok, ouais, on joue au Scrabble. Zut. Alors, Sun Tzu, donc il n'y a pas de notion de guerre, il n'y a pas de notion de Chine, c'est super. Par contre, effectivement, il y a l'Asie. Ah si, une charge de cavalerie, parce que la guerre. Avec des chevaux en armure. Exactement. Ouais, mais il est né lors de l'année du cochon, l'année du singe. Attends, on va demander à Google. Il n'y a pas l'année du singe, il me semble. Le singe, il n'est pas dedans. Ah bon? Je suis pas sûr. Il y en a 12, hein. Cochon, tigre, dragon, lapin, chèvre, cheval, rat, chien. Et il en manque 4. Mais en vrai, enfin. Serpent. C'est spécifiquement. Tu vas spécifiquement mettre, je pense, la notion de militaire quand tu vas parler de Sun Tzu. Oui, forcément. Et la seule notion militaire que je vois avec les yeux, avec les mots qu'on a, c'est charge de cavalerie. Bon, on peut déjà valider Asie. Oui, vas-y. Moi, je clique pas parce qu'à chaque fois, c'est de la daube. Imara, ton avis sur la question? Moi je pense que la charge c'est pas mal, faut voir rien d'autre qui va donc. Hein. C'est pas les autres. Oh punaise. Yes, oh, c'est... Oh, des menus. Mais alors, c'est pourquoi menus, la planche? Pourquoi? Bon, on l'a dit. Pourquoi le menu? Alors la planche, non, rien à voir.
J'étais déjà sur la charge en fait, pour les charges de la présidence, enfin je sais pas, j'ai chargé de la présidence, je sais pas, j'ai essayé d'aller dans ce sens-là. La planche, vous l'avez trouvée tout seul. J'ai rien mis pour trouver la planche, moi. La charge mentale du président. Alors, la planche, on l'a trouvée, c'est l'équipe d'en face qui l'a trouvée. Alors, nous, hein. En dos. Merci oui. L'équipe d'en face, du coup. Tu avais mis guacamole pour menu et salsa. Bah oui, on est... bien sûr. Pourquoi tu n'as pas mis sauce? Et pourquoi sauce? Bah sauce, c'est généralité, sauce salsa, sauce de n'importe quoi dans le restaurant. Guacamole, c'est très apéritif, donc planche d'apéritif, c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur le menu. N'aurais que même qu'un échec. Dans l'apéritif, il est dans le menu, hein. Non. Non. Ah si. Mais... Oh si, un menu c'est compris, entrée, repas, ah oui, mais non, mais... Entrée, repas, dessert, pas apéritif. Ah, je suis désolé, mais dans les menus, il y a aussi la... Dans un menu, dans une carte au restaurant, tu as la carte apéritif. Et à part, tu as la carte des menus et avec les plats qui sont proposés. Dans les menus, l'apéritif n'est pas forcément proposé. Au-delà de ça, le guacamole est spécifique à l'apéritif. Dans ce cas-là, l'entrée n'est pas forcément proposée, que tu fais ce que tu veux. Le plat n'est pas forcément proposé. Tu prends 95% des menus dans les restaurants, l'apéritif n'est pas proposé. C'est compréhensible, ça fait un an qu'on ne peut pas sortir, nom de Dieu. Ça fait trop longtemps. Quand t'es proposé quoi, encore des menus? Mais en fait, ce qui nous a trigger, c'est que t'as mis guacamole qui était beaucoup trop spécifique, en fait. Bah ouais, pour le salsa, en fait. Après, cela dit, du coup... Nous sommes trop forts, hein. En vrai, est-ce que t'as le droit de mettre sauce dans le sens où salsa, c'est une traduction de sauce? Ouais. Ah bon? Bah c'est une danse. Oui, salsa, c'est... Oui, c'est aussi une sauce. Je pense qu'honnêtement, on l'aurait accepté parce que... Oui. On n'avait pas forcément en fait cette notion. Mais de toute façon, pour président, Air Force One, Jet, j'en avais donné un sans faire gaffe, donc bon, bah, ça s'est équilibré. Ah, voilà. Allez. Je suppose que ce sera la dernière. Non, l'avant-dernière. Ouais. Pour moi, c'est la dernière, par contre. Mais je coupe dans à minuit, hein, donc on peut. Je pense que nos deux coefficients négatifs, ils s'annulent en fait. Ça se multiplie. Ouais, moins par moins, ça fait plus. Voilà, moins, ça fait plus. On est trop balèze. Jack et le Rager. De ouf. Indépendamment, on est des sous-merdes. Mais alors, ensemble. Non, alors, du coup, toi, t'es pas doué. Ah, regardez, il y a Elise Lucet. J'avoue. Elise Lucet du Cache Investigation. Mais, sinon, dès qu'il y a une femme avec des cheveux courts et blonds, c'est Elise Lucet. Et puis une petite veste un peu tailleur comme ça, c'est elle. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de trucs geeks dans ce tirage. Non. Non, c'est vrai. Il y a l'épice, mais je pense pas que ce soit lié à Dune. Non. Ça me fait penser à Gus Stapskins. Du coup, j'espère qu'il y a pyramide à faire deviner en 3 blocs. Hein. En 3. Substantif. Toujours des mots très complexes dans la pyramide. Donc... Ah, déjà avec Michel Sardou, là t'en as plein. Mais bon, après, je vois pas les mots que vous avez. Mais... Michel Sardou. Ouais, bah. Ah bah oui. Ah bah d'accord. Chinois. Bah puis l'autre, il est vide. Bon, je pense que ces deux-là, on est déjà pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est en deux. On peut tout rouler. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Est-ce qu'on partirait sur gauche en premier quand même? Enfin, le communisme c'est quand même très à gauche. Bah, c'est l'extrême gauche, ouais, a priori. Oh, bah. Que ça va être assez pour chinois et gauche. Alors, techniquement, ouais. La Chine, c'est du capitalisme d'État. Oula. Maintenant, oui. Non, oui. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu? Elle est gauche. Et je vous laisse faire pour chinois. Très bien, il en manque. Bah, c'est tout, il en manque deux. Parfait. Ah, il y avait longtemps, tiens. Ouais.
La voici sous Ducky Papillon. Juste au-dessus du ruisseau. Il va falloir que je trouve les paroles un jour. Ouais, allez. La, la, la. La demande à Nagui. La jolie petite libellule parole. Ah. Allez, la jolie petite libellule. Lyrics. Et ben voilà, on a les paroles. Na 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 na. Ah, qui en a perdu? On a perdu. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Alors, un train. Ouais, une gare, ouais, une barrière, ouais. Ouais. Ensuite, attendez, il se passe quelque chose dans le chat, là. Après, il y a le café de la gare, tout le temps, à chaque gare, mais bon, peut-être pas. Non, je me mute 2 secondes. C'est pas le plus évident. Alors, Amaruo, en effet, oui, c'est moi. Allez, c'est parti pour barrière. Lui-même, paladin sur Iceland, c'est vrai, c'était moi. Ton pseudo me parle. On peut s'arrêter là. Ouais, hein, mais oui, c'est parfait. Mais oui, c'est clair. C'est plutôt évident. J'ai pas compris le mot barrière. Pourquoi barrière? Bah, les barrières automatiques. Au passage à niveau. Ah, c'est ça, les barrières. Si vous voulez, on m'a vu, je suis d'accord. Il n'y a pas éternuement. C'est vrai qu'un souhait, c'est une demande aussi. Bon, je partirais quand même plus sur le vœu en premier. T'en penses quoi? Ouais, ça me semble. Bah, vœux et demandes, ouais. Vœux, d'accord, en premier, est-ce que ça vous convient tous? Ah oui, 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 je pense. Oui. Voilà. Après, rêve. Genre avoir un rêve, un souhait. Si, un souhait, ça peut être un lié, effectivement. C'est ça, hein. Quand t'as un rêve, c'est un peu comme un souhait. Hein. Café, magicien, souhait. Je pense quand même plus que celui qui est le plus cohérent avec le souhait, c'est la demande. Plus alors, oui. D'un point de vue synonyme, on a dit on est plus proche que le rêve. C'est sûr. Demande. Bah, un souhait est une demande, donc je pense qu'on peut y aller dessus. Bah, voilà. Et il reste encore un dernier, je pense que ce sera sûrement le rêve. Alors, attends. Je reste qu'un autre. Je sais pas, le magicien peut réaliser. Bah, si tu prends le magicien dans le sens la bonne fée, oui, elle exauce les souhaits, mais c'est. Enfin, magicien lui-même, pas tellement, c'est Gandalf le magicien, il exauce pas les souhaits. Hein. Ouais, il est pas là pour exaucer les souhaits, quoi. Il y a pour casser des. Hein, bref. Il est pas là pour ça, lui. Hein. On n'est pas là pour en perler des fils. Exactement. Non, c'est pas ça. Il y a des perles plutôt, non. C'est pas ça l'expression. Bah écoute, je trouve que les expressions que les gens utilisent, c'est trop mainstream, alors je fais les miennes. Ah, mais je comprends pas. Je suis plus sur rêve, personnellement. Bah, je vais vous faire confiance alors. Allez, sois rêve. Je te laisse le faire. Bon, j'ai proposé rêve, allons-y. Ah, merci, hein. Dommage. Trop gentil. Ouais, c'est cool, hein. On vous adore. J'avais peu confiance quand même. C'est pas terrible la démocratie en fait. I have a dream. Ah bah, voilà. Attends, le totalitarisme, écoute, merde. Écoute, je sais ce que je voulais dire, bon bah tant pis, c'est pas grave. Et je pense que le totalitarisme avec un tyran éclairé est quand même quelque chose d'assez appréciable. Hein. Mais,
Le problème, c'est qu'il faut un tyran philosophe. Et ça... Alors, ça porte un nom spécifique. Ça s'appelle la dictature bienveillante. Oui, mais c'est pas facile à avoir. Comment non. Ces deux mots sont très durs à voir ensemble. Ça fait un petit peu, mais tu vois, par... mieux que vous, quoi. Par exemple, tu es bienveillant quand ça va dans ton sens, quoi. Non, alors la dictature bienveillante, ça c'est une philosophie assez précise, en fait. C'est quand, sur des systèmes... Alors, je ne vais pas parler de gouvernement, mais de certaines structures, où c'est toute une équipe qui est d'accord avec beaucoup, beaucoup de valeurs, mais qui ont besoin d'avoir quand même un leader pour aiguiller sur certains points. Et que le leader, il ne se met clairement pas en avant, il s'en bat un peu les steaks. Il va plutôt mettre en avant les valeurs, les projets, et surtout les membres de l'équipe. Mais il tranche les décisions qu'il y a besoin. C'est quand même magnifiquement oxymore. Du coup, on en était où? C'est à qui, là? C'est à moi. Vas-y, réponds. On compte sur... Je vois pas comment faire, là. Et je vais pas m'abaisser à le faire en 1. Je suis claquée. J'ai un rêve, il a un rêve. Aïe aïe aïe. C'est de voir les lanternes dans le ciel, un truc comme ça. Peut-être. Je crois que je l'ai vu qu'une fois. Hein. Il faudra que je le remarque. J'en ai peut-être un en 3 pour toi, Ralga. Au secours. Allez, Ralga, on croit avant toi. Ah ouais, bah... Nous croyons beaucoup. Moi aussi, je crois beaucoup en moi, mais... C'est de gagner. Il est souhaité. Je l'aime, cette maison craque, c'est affreux. Ah, les tremblements de terre, ce fléau. C'est pénible, je fais un pas, genre j'ai l'impression que le toit va s'effondrer. Bon. Allez, Ralga. Pour nous faire écouter une petite musique. Les petites musiques de Mr. Green. Putain, je vois pas que je... J'ai pas envie de mettre un truc en 1. Oh, ça s'appelle cheval, ça va être forcément bien.
Pilip. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur, marée ride dans le macadam. Ça va les gars, bien dormi. Pas de réponse. Putain, les gars, abusés. Qui c'est qui a fini le café? Ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? C'était quelque chose à me dire. Hier, t'étais pas bourré, c'était pire. Prise de conscience. Non, de suite, non. J'ai pas la ref. Après. C'est. Trio. Ah, pardon, désolé. Coup, réveil, café. Sur ce coup-là, man, t'as été un homme. Ah, mais c'est celle-là. T'as du style, et mon frère. Quand tu vois double, je ramène la bombe nucléaire. Oui, désolé pour hier. Je sais plus avec toi. Pour hier soir d'avoir streamé 30 heures. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Bon, en fait, si c'est bon, je crie. Au final, des soirées blind test, ça doit fort marcher ici, non? Ouais, mais alors, le problème. Alors, c'est le DMCA. J'allais dire le copyright strike, par contre, c'est fini. Hors stream, on peut très bien faire ça directement sur Discord sans trop de problèmes. Mais ouais, grave. Mais en live, mais tu ça, non, en live, je participe. Oula. Alors attends, réveil. Et c'est pas maintenant, ça marche pas. Bah, ça dépend. Si c'est genre comme moi en ce moment et que c'est plus réveil vers midi, 14h du matin. Mais monsieur Vert. Vous m'embêtez en fait, vous d'avoir. Pardon. Je voudrais vous y voir avec 29 heures de stream dans les pattes. Excusez-moi. Déjà d'une. mais non, mais là, du coup, j'attendais que un mot tombe spécifiquement côté bleu. Pour que moi, je puisse en mettre 3 directement, sauf que là, je peux pas. Je sais très bien lequel tu veux mettre, et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait deviner. Enfin, je tire dans les pattes. Enfin, je vois quel mot tu veux faire deviner, je sais pas avec quel indice, et je vois quel mot te fait chier. Est-ce que c'était pas café et mini? Je sais pas. Ou canne pour la canne à sucre avec le café? Non, mais café, réveil, genre. Effectivement, réveiller en deux, il n'y a pas matin. Ouais, mais du coup, peut-être, genre. Bah, du coup, je sais quoi l'autre, mais. Je pense du coup que c'était café, pendule, pendule, horloge, ça me fait. Ouais, peut-être, café, pendule, quoi. Partout. Tout est là de goût avec le prochain indice que tu me feras, que tu laisses de la marche pour qu'on puisse refaire les mots là. Déjà café sûr. Ouais. On n'entend plus Monsieur Vert, il est parti où là? Bon, j'écoute de la musique là. Ah ouais, tu me dis. Non, moi le réveil le matin, le café, ça me parle pas. Moi c'est du lait, des miels pop. C'est terrible. Culture pub. Pour patienter. Une petite musique. Agriculture 4, dis donc. D'où Jésus. Agriculture. Allons-y pour la banane, pour le café. Pour le commerce. Pour la canne à sucre, pour le café. Et ça nous en fait 5. Et le commerce. Oui, exactement. La feuille. Alors, l'agriculture de la sardine sur les. Moyen. Sur les sardiniers, bien entendu. T'as jamais fait pousser des sardines dans ton jardin? En chocolat même. Bah, à côté des tentes. Oui, d'accord, c'est tente de sardine, merci. Alors. On part sur la banane en premier peut-être quand même. Est-ce qu'on peut valider la banane? C'est ce qui me semble le plus logique en termes de. Boum! Et la banane! Ensuite, on fait pousser du café! Et fruta de la mort! On fait pousser le café et on fait. Alors, a priori, le café, oui, les épices. Cannes, c'est peut-être
Ah, je sais pas. Donc, on valide café. Ouais, je pense plutôt que café en premier, ouais. Ouais. En fait, celui dont je suis le moins sûr, c'est commerce. Ben, au final, ouais. Parce qu'agriculture, commerce, c'est pas deux. Enfin, c'est deux domaines qui se rejoignent, mais. Ça se rejoint, mais il n'y a pas de lien direct, on va dire. Ouais. Donc, épice ou café en premier ? Café. Bah là, j'étais. Oui, c'était pour le réveil, c'était sûr. On a dit justement. Ah, c'était le réveil café, bah oui, en plus, on est bête. Oh là là là. Ça s'appelle chaud dans le bol. Je me suis bien retenu de parler, vous noterez. Hein. J'ai failli faire une bombe. Bon, épice, canne et commerce. Peut-être, par la suite, ouais. Oui. Après, encore une fois, on cultive la feuille de vigne, tout comme ça. On peut... Ouais, il y a feuille, il y a culture, agriculture en Afrique, on va... Ouais. Moyen, ça dépend. C'est le berceau. Et en fait, si on a épices, canne et... Le berceau de la culture, c'est la Mésopotamie. Ouais, mais du coup, c'est à la croisée entre l'Afrique et l'Asie. Bah, c'est un petit peu au milieu de tout. Entre le tigre et l'Euphrate. Oui, vu ouais, d'ici, à 1000 km près. À une vache près, quoi. Non, les vaches, du coup, c'est plus l'Inde. Oui, bon, on en a aussi en Normandie, hein. C'est quasiment pareil. Tu veux quoi avec ta Normande ? Bah, quoi ? C'est la Normandie, c'est très bien la Normandie. Mouais. Comment ça, mouais ? Bah, pas ouf. Pour avoir un peu de valeur, vous avez été obligé de voler un monument aux Bretons quand même. Voilà, voilà, on rentre dans des débats là. On l'a pas attention. Volé, il nous appartient de jure, c'est tout. Baston général. Non, puis on peut en parler des Bretons qui nous piquent notre cidre. Cotraf, t'es toujours dans le chat ? Quitte à avoir un représentant de la Bretagne. Bah, il aurait déjà bondi au plafond avec des drapeaux de partout. Je pense, oui. Bah après, la Bretagne... Enfin bon, je dirais rien, mais... La jolie petite libellule. Je voulais faire manger les libellules. C'est un peu de Nostra. Mais tu sais que dans un pays, ça se mange, un grillé. Mise en tête, parfois qu'elle est sortie sur le Discord, cette chanson, elle est restée bien deux semaines dans ma tête. Alternateur. Et c'était il y a deux semaines. Et c'était dramatique. Il y a un mois à peu près, je pense. Comme ça. Alternateur. 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 Ouais. Du coup, série, forcément. Et est-ce qu'il y a toujours pendule, du coup, par rapport à... Est-ce que par rapport au truc d'avant. Plus de réveil. Comment vous arrivez à série ? Série électricité alternative, voilà. C'est ça. Ok. Alors, c'est courant alternatif, courant continu. Et c'est ensuite, tu mets des trucs en série ou en parallèle. Ah, on sent les gens qui ont fait de l'électronique ou de l'électrotechnique au bac. J'ai fait science de l'ingénieur, monsieur. Ouais, mais ah, pardon, monsieur, excusez-moi. Le ménage 24. Parce que tu devrais être nommé peut-être Mr. Green PhD, peut-être. Non, parce que j'ai pas fait de doctorat. Mais j'ai eu. En plus, les sciences de l'ingénieur, c'est la putain d'arnaque. Parce que. Il te fait. Enfin, en gros, j'ai dû avoir sur mes épreuves, genre, si je faisais les calculs des moyennes normales, je devais avoir un truc genre 14,6. Et au final, j'ai eu 16. Parce qu'ils arrondissent tes notes des trois épreuves au supérieur, et ensuite ils arrondissent la moyenne au supérieur. C'est le constatif de ta vraie note. Hein ? C'est quoi ? S'ils arrondissent... C'est très représentatif de ta vraie note, du coup. Bah, j'ai un point et demi de plus que ma vraie note. Bah voilà, c'est quand même beaucoup. C'est bah énorme, oui. Même. Ah, c'est ce que je dis, c'est l'arnaque, les sciences de l'ingénieur, c'est trop. Oui, je fais ce que je dis, c'est l'arnaque, c'est vous pouvez jouer, sinon. Ah, sinon on peut jouer, ouais. Oui, aussi. C'est pas faux. C'est bah, non, moi, ça veille et pendule, les deux me vont, hein. Bah, va non, mais si je clique, je donne des cartes à l'équipe mais adverse, moi, je veux pas faire ça. Bon, bah, Imra, au boulot. Il y a que toi qui n'es pas maudit. On t'aime, Imra. Vraiment beaucoup. Ok, bon. Ok, Ouais, on suppose que il a donné alternateur en deux,
pour qu'on trouve pendule dedans, sachant que pendule était potentiellement lié à réveil. Ouais. Ou est-ce qu'on doit en trouver un de plus? Ah, c'est ce que je me demande. Moi, je me serais dit qu'il en restait un, mais je vois pas avec quoi ça serait, par contre. Parce que alternateur, à part voiture et électricité, honnêtement, je vois pas. Il n'y a pas de voiture, là. Et il n'y a pas de truc lié au réveil. Bon. Attends. Il n'y a rien en rapport avec la mécanique. Non, bah, on peut... On peut faire fini tout de même, on a une avance confortable sur l'équipe adverse. Ouais, oui, ouais, oui, ouais, c'est vrai. Vrai. Je pense qu'on va faire ça. Ou pas faire du 4 en 1. Alors, personnellement, je pense que sur ce coup-là, nous, il faut qu'on repense au troisième mot du souhait. Donc, on pensait que c'était magicien, je rappelle. Oui, alors, mais j'ai peut-être une autre idée pour ça. Et il y avait encore trois autres mots pour agriculture. Ouais. Renga. Mmh. Tes deux derniers mots, oui. T'as déjà la... Association oui. Ok, d'accord. Oui. Ok, donc on... Et Ralga, t'es mort? Yeah, man. Ouais, man. Donc là, faut que je le fasse en 4. En cas, t'es mort, man. Non, man. Ou en 3 plus 1, mais... Embrasse mon œuf, pardon. Non, embrasse mon œuf, man. Sans cas, qu'est-ce que tu fumes? Je fume pas, j'expire. Faut que je revoie ce film, ça fait longtemps. Ah ouais, il est drôle. La dernière fois que je l'ai regardé, ça devait être en 2015 en salle de Hotline. Ah, ça devait travailler dur. Moi, j'étais avec Coco, autant dire que... Autant dire que lui bossait. Du coup, c'était quoi ton autre idée pour vœux, enfin pour souhait? Bah, c'était rêve, mais... Ah non, c'est arbre à souhait qu'ils m'ont donné en plus rêve. Ah, je pensais à tronc pour arbre à souhait. À tronc? Ouais. Pourquoi tu arbre, arbre à souhait, j'ai pas le concept, mais ok. Mais une fois que c'est une pratique comme quoi on écrit un souhait sur un papier et puis on va le glisser dans un tronc d'arbre. Ah oui, oui, ça y est, j'ai. Est-ce que c'est une référence que pourrait proposer Jack? C'est une référence de vieux, c'est ça que tu veux dire? Non, j'ai pas dit ça, j'ai juste que est-ce que. Il pourrait penser que nous pourrions avoir la référence. De quoi? J'ai pas entendu, pardon. Je répondrai pas, mais c'est juste pour que je sorte de ma réflexion. En gros, on se demandait si par rapport à Tron, tu voulais faire deviner le mot souhait, du coup, enfin l'inverse, du coup. Je disais justement, est-ce que lui aurait pensé que nous aurions pensé au mot Tron pour l'arbre à souhait, justement? Est-ce que nous aurions le concept d'arbre à souhait? Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que je pense plus quand même à un magicien. Est-ce que vous pensez qu'un homme tronc il se masturbe quand on lui suggère de toucher du bois? Oh, Mr. Green. Excusez-moi. Ce n'est pas très, très urbain. C'est gras et c'est beauf et c'est dégueulasse. Ah ouais, merci. Sur une question, comment il fait? On va surtout te pardonner parce qu'il est 23h. Eh bien, il fait français. Non, moi je lui pardonne pas. C'est dégueulasse. Bon, alors, attendez. Donc, souhait... Il nous restait magicien ou elle propose Tron. Moi, je suis pas hyper chaud pour Tron. Peut-être magicien. Agriculture, il nous en manque trois. Ce n'était pas café. Et eux, derrière, ils ont deviné série et pendule. Donc, on va dire qu'on a toujours trois en attente sur l'agriculture. Quoi. Donc, il y a toujours possiblement la canne à sucre, les feuilles pour ce que tu veux. Pour les feuilles de la vigne ou quoi. Et l'épice pour... L'épice aussi, ouais. Oh, punaise. Ouais. Donc magicien, épices, feuilles, canne. Et canne. Et commerce potentiellement, mais un peu plus loin. Sauf si Jake sort un indice qui n'a absolument rien à voir. Et là, ça change tout. Tu vas voir qu'en fait, on s'est complètement trompé. C'était pyramide, minuit et Suède. Ah oui, en plus d'agriculture, on avait éventuellement. Je suis mute Discord, ils ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent absolument pas.
Non, je vais être chiant avec mon tronc, sinon un arbre, c'est de l'agriculture aussi. En fait, aussi. Là... C'est vrai, ouais. Tronc, c'est pas... Oui, c'est ça, ils ne m'entendent pas. C'est pas excellent. Il y a ce mot-là. Vous voyez ma souris ou pas? Peut-être. Ouais, vous voyez ma souris. Ce mot-là, je peux l'associer à plusieurs choses, et il me gêne un peu. Là, ils sont sur ça, ça me gêne pas. Là, tout à l'heure, j'ai essayé de faire comprendre ça et ça. Néanmoins, il y a lui qui me pose problème parce que je peux l'associer à plein de choses et ils peuvent l'associer à autre chose. Ça, ils peuvent l'associer à ça. Mais ils peuvent l'associer à ça, avec des choses que je pense, mais il faut aussi l'associer à ça. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Effectivement, la banane, c'est pas le fruit du palmier, mais bon. Y a de l'idée, quoi. Et lui, du coup, me pose problème pour plein de raisons, plus la raison qui a été sortie juste avant. Donc il faut que je trouve quelque chose de subtil. Non, ils m'entendent pas. Donc là, je suis un peu embêté. Parce que les deux ensemble à faire deviner, ça devrait pas être. Là, il faut vraiment que je le fasse en 3, plus 1. Parce qu'on met l'agriculteur à trouver 3 3 a priori. Ah, ils sont encore sur ça, là, quand même. Peut le faire, Jack. Non, il y a feuille. Hein. Nous croyons en vous. Croivez, mes amis, croivez. Feuille, papier. Nous croivez en vont. Quoi? Hein, je peux pas mettre parfum, parce qu'ils vont passer à papyrus. Du coup, je mettrais plus grimoire, mais dans ce cas... Grimoire, feuille, magicien. Est-ce qu'ils vont garder la canne pour la canne à sucre et l'épice? Là, comme ça, je tenterai grimoire. En 3 plus 1. Mais il faut vraiment pas qu'ils se plantent, quoi. Je vais faire ça. On va faire ça. Je me démute. Bonsoir. 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 Nous t'attendons. Et bon bah, je pense qu'on peut partir sur magicien. Magicien. Sans problème. Alors magicien. Ah, attendez, grimoire, donc magicien. Et après c'est plus dur. Alors, canne. Oula. Canne, c'est... Dans les jeux, habituellement, t'as choix entre la baguette et la canne pour les magiciens. T'as plutôt le bâton. Oui. Ouais, le bâton, ouais, c'est vrai. Grimoire, c'est dans les vieux châteaux. Grimoire. Est-ce qu'on voulait quand même pas un premier magicien pour être sûr et se dire on s'en débarrasse? Je pense que c'est assez probable que ce soit magicien. Allez, magicien. Oui. Voilà. Ça, c'est bon. Alors maintenant, grimoire. Et il y avait agriculture. Attendez, donc... Soit terminé. Donc, a priori, magicien, c'était pas ça avec agriculture. On peut partir du principe que c'était... Oui, c'est sûr, mais... Le souhait. La question qui se pose, c'est que... Est-ce que les trois autres qui nous restent à deviner, ça a un lien direct avec grimoire? Ah, peut-être pas, mais du coup, il reste trois agricultures à recouper avec grimoire, là. Agriculture, grimoire... Bah, du coup, feuille, je... Je pense que ça correspond pas mal aux deux. Ouais, ça pourrait. Ouais, quand t'es magicien, tu fais des potions, donc tu dis des feuilles. C'est pas... Ouais, surtout que dans le grimoire, tu as des pages, des feuilles, quoi. Ou aussi des feuilles de grimoire, effectivement, j'y ai pas pensé, c'est beaucoup plus logique, effectivement. Effectivement. Bah, ouais, c'est un livre, un grimoire, hein, donc les feuilles. Oui, effectivement. Ça me paraît pas mal. Je prends le risque ? Est-ce que je prends le risque ? Est-ce que je clique ? Je t'en prie. Oh, bah oui, vas-y. Oui, je clique. Attendez. Transpiration. Bon, je pense qu'on peut déjà éliminer Afrique, Pyramide, Minuit, Suède. Suède. Et Opéra. Opéra, Grimoire. Opéra, oui, Grimoire, Opéra, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait rien du tout. Ouais, bon, non. Je pense que Grimoire, il devait être en 2, et le reste, c'est pour nous permettre de deviner les derniers d'agriculture. Dans ce cas-là, il l'aurait mis en 3, et le quatrième, on l'avait en bonus, quoi. Enfin, c'était 3 plus 1, quoi. Ouais. Bon, moi je serais assez partant pour épices. Mais du coup, la canne, je suis pas ouf. Épices par rapport à l'agriculture, toujours. Alors, oui, mais du coup, ça n'a rien à voir avec grimoire. Ouais, ça qui m'étonne. Même si, encore une fois, épices, poudre, potion, paprika... Épices, je pense qu'on peut y aller. Hein. Allez. Ouais. Oh, oula, oui, ok. Allez, plus qu'un.
Là, c'est chaud. Ah, attendez, attendez, attendez. Et là, du coup, on a fait feuilles et épices qui seraient probablement reliées à l'agriculture avec les bananes. Donc, il en resterait un en agriculture un à croiser avec grimoire. Ça peut être feuilles qui peut être croisées chez deux, simplement. Alors, du coup, tronche, par parler. Alors, attends, Afrique. Afrique, non. Pyramide, je vois pas du tout le rapport. Minuit. Non. Château, non. Château. Château avec Grimoire, ça pourrait fonctionner, mais pas avec l'agriculture en tout cas. Un château, c'est... Ah, comme une cuvée ou quelque chose comme ça, un domaine de vin. Donc est-ce que ça pourrait être relié? Non, j'ai l'impression de jouer aux énigmes du Père Fourreau. À la base, l'agriculture était en combien? En 4? En 4. Oui, donc on en a que 3 là dans l'agriculture, je pense. Et c'est vrai que du coup, château et grimoire, ça pourrait marcher avec l'agriculture sur les cuvées de vin. Parce que grimoire, c'est un peu le même genre. Enfin, ouais, c'est tout ce qui est la magie et château. Il y a un peu cette idée un peu médiévale et non. Tout. Je. Ah, oh, c'est dur! Bon, au pire, mettez vos pastilles sur ceux que vous pensez être le plus cohérent. Donc on en met qu'un, alors? Non, tous ceux sur lesquels vous pensez être le plus cohérent, et celui qui en a le plus, ben on vote pour lui. Bon, en tout cas, du point de vue de l'autre espion, c'est intéressant. C'est franchement, je prends mon popcorn, hein. Ça veut tout dire et rien dire. A priori, si on soit on est complètement foiré et on les fait gagner, soit on est bon, en fait. C'est à peu près ça. A priori, la démocratie voudrait qu'on aille vers la canne. La dernière fois, la démocratie, ça a pas génial. C'était pas génial. Je suis d'accord. Est-ce que la démocratie est un modèle qui peut s'appliquer aux codenames? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on a un dictateur bénévolent qui veut prendre le relais? Bah, je vais le prendre, hein, parce que bon... Dictateur bienveillant. Allez. Je suis bienveillant. On y va. Yes! Yes! Ce scandale. C'est une sandale. Alors, incroyable. Alors, je tiens à préciser que le moment où j'ai mis réveil, j'avais bien vu le mot matin en blanc et je me suis dit, au pire, il est blanc et de toute façon, ils le mettront après. Évidemment, vous l'avez choisi en premier. C'est hyper dur parce que Opéra et Tron, les deux derniers, j'étais persuadé que Ralga allait mettre planche. C'est vrai. C'était exactement le mot que j'allais mettre. Ah ouais, tu m'étonnes. Et ouais, vous avez à un moment, vous avez commencé à vous embrouiller, j'ai fait oh non. Et heureusement, vous avez dit attendez, on débat calmement, chacun donne ses arguments, et à la fin, l'histoire de la pastille. Ouais, franchement, GG. Et en fait, le truc qui nous a plombé, Jack et moi, c'est qu'il y avait tronc et feuilles de deux couleurs différentes. C'est ouais, ça, c'est exactement. Ouais, on s'en doutait en fait. Et le café m'a embêté juste avant. Ouais, agriculture. Par rapport au sucre. Du coup, les 4 d'agriculture, c'était bien feuilles, épices, bananes et cannes. C'est ça. Ok. Ah, du coup, ouais, mais la café nous a mis dedans, ouais. Ah, ouais, ben c'est... là, vous êtes tombé dedans, oui. En fait, c'est café et rêve qui nous ont fait perdre 2 tours. Ouais. C'est ça. Ouais, rêve, c'était. Donc, il était pas dedans. Non, souhait, c'était directement le magicien. Oui, heureusement que la sardine n'est pas cultivée. Heureusement que la sardine n'est pas cultivée. Alors, par contre, le mot noir, il était tellement unique. Ouais, franchement, ouais, ça va. La carte noire, elle était assez à part. Il y avait peu de risques de tomber dessus. Ça fait 30 heures. Ça fait 30h04 en vrai, par ce que j'avais lancé avant. Il est 23h59. Je vais blablater jusqu'à minuit 10. Ouais, ça sera découpé, t'inquiète pas. sachant que je pensais qu'on aurait eu le temps de passer tous 2 fois sur Codenames, mais en fait, non, on a bien traîné sur la dernière partie. Elle était super, super belle cette dernière partie, donc on va s'arrêter là. On n'entend plus d'ailleurs. Ouais, bah, Nostrax, je pense qu'elle est partie se coucher. Non, je dors à moitié. Voilà, tout simplement. Salut, toi, tu sais le chat. Je vous remercie mes camarades de. Je vous remercie mes camarades de jeu de ce soir. C'était des super belles parties. Pour tout le monde, pour ceux qui écoutent, chaque mardi soir, c'est les rendez-vous mardi Iva Sound. On fait des petits jeux comme ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord Iva Sound pour
pour jouer avec nous, ou pour partager, ou pour blablater d'une manière générale. Les mardis soirs, on est en plusieurs streams. Donc il y a certes le stream d'Iva Sound, mais il y a aussi les streams de chez Imra. Il y a les streams de chez Another Mr. Green, donc pensez à les suivre aussi, c'est des choses intéressantes qu'ils font aussi de leur côté. Puis ça vous permet d'avoir les points de vue de différentes équipes ou de différents... Il me semble que Another Mr. Green n'était pas en live ce soir, mais... Non, je n'étais pas en live ce soir. Et Imra, pareil, il a coupé plus tôt, mais peu importe, enfin, quand vous livez, c'est juste un joli mot, tiens, vous livez de temps en temps, donc c'est Imra c'est quasiment tous les jours aussi, donc allez jeter un œil aux chaînes. Vous avez la commande point d'exclamation mardi va sound dans le chat pour suivre les différents streams de toute façon des copains et des copines. Pour ma part, je fais juste un clap par rapport à cette VOD là et après je finis le blabla. Donc YouTube, cordialement, bisous. Bisous. Bisous YouTube, bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Le petit bisous.